Ah, c'est parti. C'est quoi tu veux? C'est maintenant, Alex. C'est maintenant. Ah merde. Vas-y, Comment? Alex. Quoi? Bah, Vas-y, c'est c'est le maintenant, moment. c'est le moment. C'est maintenant. Allez, C'est le moment fais l'impro s'il te plaît parce que j'ai l'air ridicule. C'est après le 3-2-1. Ah! Ah! Ah non, mais une intro de live, c'est bonjour à tous, c'est Fabien Robert. Voilà. Oula! C'est Enfant. Fabien 3D. Oula. C'est sûr que ça va, Alex? Oula. Très bien compris. Bon, c'est pas grave. Je suis avec Camille et Tanguy et donc. Ah! Et Voilà. Alex, du Non, coup? et ah, Alex. Ah, et ah! Alors, voilà. Donc, on se retrouve. Tant pis, il m'a loupé mon intro. Tant pis, c'est pas grave. Il a fait exprès, il l'a saboté, c'est du Ouais, c'est du sabotage. non, mais sabotage. j'ai pas compris ce que tu me demandais. Oui, t'as très bien compris. Bravo! Ah, bravo. Félicitations, Nils! Bravo pour l'appareil Bon. photo. Il faut tu maintenant. Pas de soucis. Alors. Ah, mais Vas-y, bah, il me en reste vrai, 11 heures, ça va en fait, en vrai. je vais enlever les mods qui sont au-dessus. On n'en a pas besoin, ça sert à rien, ça va prendre trop de temps à C'était quoi, télécharger et hein? tout. Apparemment, C'était. ça qu'on dise, ouais. En fait, tout ce qui est au-dessus de SISL Mega Pack. Mais je vous le redirai. C'est le Au mode pire, prends une orange. capture d'écran, mets-la sur Discord, comme ça on le voit directement. Ouais, attends, je prends une photo du coup. Quoi? Ouais, mais parce que Ah c'est oui, sur mon Shadow, ouais. Shadow et j'ai flemme de sortir de l'écran. Envoie sur Messenger Ça plutôt. Envoie sur Messenger. Toi, ça changera rien, Alex. J'ai enlevé les mods pour qu'on ait les mêmes, donc c'est bon pour toi. Est-ce que c'est bon D'accord. pour toi? Est-ce que c'est pour vous? Oui, On se. comme dira Olivier Véran, c'est bon pour moi. On se. Ok. Olivier Véran. C'était Ah après. Bah non, à la base, c'est oui! Squeezie. Si? Mais. Bah oui, mais il a fait exprès! Oui. Alex, je veux Je suis dire, pas il a sûr fait exprès. qu'il ait fait exprès, hein, vu qu'il a Oui. pas fait exprès pour mon intro, là. Non! Ah, tout de suite. Alors, bah vas-y, du coup, je peux envoyer dans le jeu vidéo. Alex, je crée Et un je convoi, je vis te. des hauts. Oh non! Héberger un convoi. Il. Il s'appelle. Ah bah attends. Groot. Il s'appelle Ah mais Groot. du coup tu peux on peut pas Ouais? on peut pas du coup tu peux pas me renvoyer une invitation sur Steam? Si je fais ça tout de suite, je t'invite to game. Attends. Et Parce que là du j'envoie coup. aux autres les mods que j'ai supprimés. Bah du coup je finis ma balade là, quand même. Ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de joyeux dans la vie? La balade des gens Heureux heureux? plutôt. Oui. Mais non, parce que Oh. justement, c'est le. Ah Faut pas merde. dire le vrai terme, parce que le vrai terme, là. Mais Là, putain, ce qu'on fait en Ah, direct. Là, et oui, faut que oui. j'aille faire réparer mon bateau. Mon bateau. Mon bateau. Ouais. Ton bateau? Mon bateau. Mon 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 bateau. bateau. Putain, je suis tombé sur une Est-ce que connasse, vous là. voulez connaître mon dernier move de pigeonne? Vas-y. Ça recoule ou J'ai pas? acheté. Ouais, j'ai un recul. J'ai acheté le dernier Tamagotchi. Ah, quoi encore? Et. On a Oui. déjà deux cams qu'on a achetés récemment en plus. Comment ça, deux? Bah, il y avait moi, j'avais racheté un Mais qu'est-ce que Tamagotchi en c'est que noir et ce. blanc et Pourquoi après j'ai toujours un pas les. Tamagotchi en Ouais? couleur. Ah, toi, t'as acheté un Tamagotchi en noir et blanc? Bah, oui. Ah, moi, j'avais acheté que le Tamagotchi, l'énorme, là. En couleur. Oui, bah, Et moi, bah j'ai acheté là, celui. celui que j'ai acheté, il est beaucoup plus petit. Il fait quasiment la taille des anciens, mais il est en couleur. Mais surtout, il se recharge en USB-C. Ah, c'est cool ça. Plus besoin de changer les Comment piles. je fais Et pour appeler? Non, Pardon, ça c'est marche 700. toujours pas. D'accord. Pour assistance. Comment tu fais pour appeler quoi? Attends, je vais Non, essayer de c'est regarder, le Alex. service de remorqueur, là, Petit tu peux. Color Maps. Attends, je vais essayer de tout remettre et puis. Attends, on n'en remet pas tout parce que j'ai peut-être juste pas save. Attends, excuse, je vais regarder. Accueil. Oui. Bouge pas. J'ai peut-être fait une connerie. D'accord. Ne bouge pas. Ne, surtout ne bouge pas, hein, ouais. Vraiment immobile. Ouais. T'as le droit de respirer tout de même. Ah bah alors tu vois, je suis débile. J'ai pas save, je pense. Ouais, Maladroite, voilà. maladroite. Oui, c'est vrai. En plus, je m'interdis normalement de dire du mal de moi-même. J'ai passé ma journée à m'insulter, c'était horrible. Et normalement, je m'interdis de dire des méchancetés sur moi. Du genre. Ouais. Hein? Apprends à déléguer. Ouais. Comment on fait déjà pour Non enlever mais. les essuie-glaces? Je sais plus. P. Comme P. pluie. P comme pluie. Non mais du genre, si je fais une erreur et que je suis en train de discuter avec des collègues et tout,
et qu'il regarde ce que je fais, j'ai trop tendance à dire « Ah, oh, mais je suis trop conne et tout. » Mais je trouve ça horrible, en fait. Ah oui. Moi, ça voilà. Fait juste marrer Alex qui a dit « Apprends à déléguer. » Oui, du oui, coup, oui. Je vois tes collègues et tu dis « Oh, tu peux m'insulter, s'il te plaît, parce que je peux pas. Franchement, ils adoreraient. Alors, attends, j'ai presque fini. Hop. Vas-y Alex, je t'invite et cette fois-ci, mais... je t'invite to game mais ça devrait marcher. Putain, je sais plus. C'est quoi déjà voilà, dis-moi que ça marche, pitié. Voilà. Si ça marche pas, il faut réessayer plusieurs fois, tu sais, on a toujours des bugs, attends. Mais là, normalement, j'ai sauvegardé. On va y arriver. Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça te dit? Bah, possible de rejoindre la session, mais... Qu'est-ce que c'est okay. Bah, essaye de quitter le jeu et de le relancer. Je sais plus, Tanguy, c'est quoi l'astuce déjà que Souba il avait dit? Faut sauter par la pas d'astuce. Fenêtre, bonne question. Alors, je peux peut-être rejoindre avec les convois en. Oui, ça s'appelle Vroom. V-R-O-U-M. Et pas, et le mot de passe... pas VR-Room. VR-Room. Pas Backroom. Et Backroom. J'ai pas le souvenir, Souba a donné une astuce particulière. Oui, il a dit machin, on fait ça et après ça marche. Du coup, ça veut dire que dans les bargays, ils doivent avoir des problèmes, du coup, hein, par rapport à ce qu'on disait. Ah tu crois qu'ils sont poursuivis par des monstres? Ouais, bah non. S'ils ont des backrooms au fond. Bizarre. Ça marche pas? Attends, merde, non, je fais un truc. Qu'est-ce que j'ai fait? Vroom. Je te réinvite dans le doute, on sait jamais. Oula. Faut vraiment pas détourner le regard. À peine le regard. De la route, ouais, de la route. Je suis en train... En même... Tu as ton permis, non? Ouais, ouais. Non, mais en même temps, je défais, tu sais, les supports là, de mon impression 3D encore. Attends, renvoie-moi de nouveau l'invite, s'il te plaît. Ouais, ouais. Ah si, c'est bon. Ouh ah JJ Abrams. Ok. Carte, non, marché du travail. Ouais, exact. Je te laisse choisir une mission. Mission rapide. Mission réussie. Alors, prix kilométrique... Alors moi, il me reste 10 heures, par exemple. Essayez de faire un truc dans ces eaux-là. Genre un truc à 8 heures, tu vois. Est-ce qu'on a les... Je me souviens plus, les oui, y a marqué. Ouais, nice. Ouais. Faut que tu sélectionnes et sur la carte en haut à droite, t'as la durée dans ah, les... Oui. Alors, ah oui. Alors, une okay. heure... 3 minutes. Quoi? Comment ça, 3 minutes? Attends, c'est prix kilométrique. Revenons au jeu, Alex, Ah, sinon, fais voir, clique par. longueur du trajet, classe par longueur du trajet au pire. Ah, oui, c'est de l'avenir, ouais. Ok, parce que là j'en ai un de 24 heures, donc si j'ai plusieurs là-bas. Pages plus loin. Mais n'importe quoi. Quoi? Attends. N'importe quoi. Ah, 29h, un truc de 10h, c'est ça? Mais 8h, le temps qu'on charge. Je vais juste remplir ma bouteille, j'arrive. Alors, combien de litrons je mets? De litrons? Ouais, un bon litron. Ah! Bah, je suis en train de prendre de l'essence, là. Ah! Oh putain, faut que je regarde ça aussi, moi. Ouais. 8 000 litres. Belle remarque. Je te félicite. De rien. Ah, c'est bon, je passe à côté de station service. Ouais. Je pense à m'arrêter. Ouais. T'as trouvé, Alex? 7h54. C'est des tracteurs, non. Bah pourquoi pas Non, mais on transporte oui, des tracteurs. Oui, c'est pas des ça tracteurs, va, hein. Un peu. T'inquiète pas. Ouais, on peut. Hein? C'était... On avait pas fait une fois des tracteurs et c'était hyper galère. Non. On a transporté un truc, mais en vrai quoi. Ça va, t'inquiète. On faisait n'importe quoi, c'est tout. C'est parce qu'on faisait les cons. J'ai Le Havre, Dijon. Ouais, allez, parfait. Vas-y. De la moutarde. Oh. Bah non, du coup, non. Vous l'avez vu, Tracteur Le Havre. Le Reels que je vous ai envoyé. Qui. Oula. Lequel? Sur Instagram. Ouais, sur Insta. Alors. Avec non, avec le conducteur de train qui fait comme le générique de C'est pas sorcier. Ah oui, ah oui, non, j'ai vu. J'ai pas regardé. Ah, il était bien celui-là, il me faisait plaisir. J'irai voir. J'en vois pas beaucoup, mais celui-là, je l'ai vu. Ouais.
J'ai été déconnecté de la station, de la session. Tu es descendu en ski, tu as été déconnecté de la station. Merde. Ouais, c'est trop chelou. Et il se passe rien, t'es pas dans le chargement ou quoi? Ah non, j'ai été direct. Merde, direct, est-ce qu'on peut DVD. Se reconnecter à une session ou pas? Je sais pas, oui, je sais pas du tout. Bah. Sûrement. Genre. Comme si il y a une personne qui arrivait, enfin, je vois pas de. Mais est-ce qu'on peut rejoindre une partie en cours? Ah! Invite oui, to bah game. Oui, parce que y en a qui ont choisi l'émission l'un après l'autre, donc oui, pas de problème. Ok. On va tenter, je t'ai réinvité, ouais. Oh, j'arrive au Luxembourg. Va te coucher, petite Tamagotchi. Oui, hein. On dit okay, au Luxembourg ou en Luxembourg? Ah, au Luxembourg. Non, mais je sais. Oh, c'était un clin d'œil à Mission Cléopâtre. Ah, pardon, j'avais pas. Ah, oui, ok. J'ai pas le. Je sais plus. En Alexandrie ou. Ah, ok. Je sais plus comment il dit. Je me disais, il y a pas de Luxembourg dans Mission Cléopâtre. On peut dire les deux, il dit. À Alexandrie ou en Alexandrie, on peut dire les deux. Alexandrie. Ouais. Alexandra. Ah oui. Ouais. J'ai retrouvé ma question de 10 minutes. Ouais. Les Tamagotchi, genre ouais. Les originaux, ça vaut quelque chose? Alors, ça dépend lesquels. J'ai une collègue qui m'a dit qu'il y en avait qui valaient cher. Moi, j'en ai retrouvé un super vieux. Des rares, ouais. Mais moi, j'en ai un vieux, mais je pense pas que ce soit une version rare. Non, bah après, il y en a jamais vraiment des rares des Tamagotchi, c'est plutôt leur ancienneté et à quel point ils sont vintage, ouais. Je les ai tous ceux que j'avais chez mes parents. Ancienneté, il a 20 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, j'aimais bien le Tamagotchi Pix, par contre, du coup, il faut changer la pile en fait régulièrement. Oui, ça, c'est le problème. Mais le Pix, ouais. Moi je l'aimais bien, mais tu sais, le seul truc que je détestais vraiment, c'est les boutons tactiles. Ah ouais, quand tu devais le caresser. C'était là. Merdique. Oh là là. Oui, inconnu. En fait, le surtout... Non, mais oui, mais là c'est récent. Ouais. Hein. Mais je trouve ça marche très mal. Hein. Le tactile, en fait, il est entre les boutons en plus, j'ai l'impression. Oui, c'est exactement ça. Et c'est pour ça, là, le dernier, ils ont remis des boutons. Ouais. Et en plus, bah, le fait qu'ils soient à batterie, ça change la vie. Hein. Ouais. Et franchement, il est beaucoup plus facile à prendre en main, du coup, il fait la taille des anciens à peu près, donc c'est super agréable. Ah ouais. Et il est en couleur. Je suis vraiment... Et il est en couleur, je suis une pigeonne des Tamagotchi. En plus, tu le reçois avec un petit bracelet pour l'accrocher à ton poignet, mais ça, je le fais pas. Bah non, t'as déjà ta Ace Watch. Non, ouais, ma Apple Watch. Apple Watch. Oh, non, mais t'imagines de travailler avec un gros Tamagotchi au poignet. Il y a un truc qui devrait trop te plaire, du coup. J'ai écouté un podcast du coup avec Adrien Méniel et Bastille. Et en fait, je me rappelle plus des touches. Ils parlaient de leur utilisation de leur iPhone et de leur Mac et de plein de trucs de hacking de leur, enfin pas de hacking mais en gros de simplification de leur utilisation des Mac et j'étais assez bluffé de jusqu'où ça pouvait aller. Genre il a automatisé le fait que après 20h, quand il branche par exemple son câble de chargeur, et ben ça met automatiquement son iPhone en mode ne pas déranger. Tu vois, il y a ce genre de truc. Ah, bah ça j'ai aussi. Ouais. Et du coup, je fais ah putain, on peut faire ça. Du coup, je vais voir en fait avec ma tablette si je peux faire des automatismes comme ça. Ça peut être sympa. Ah, bah ça, tu peux. Hein. Moi, j'ai plein de trucs. Après, il y a des trucs que je trouve très pratiques à faire avec Google. Mm-hmm. Google Home. Ouais, non, mais. Oui. Mais. Parce que après, il y a des automatismes qui se font avec des raccourcis sur l'iPhone qui sont vraiment cool, que tu peux avoir sur l'iPad. Non, mais il paraît que tu peux aller jusqu'à des délires de genre. Dès que ton iPhone croise ce AirTag là, et ben ça allume par exemple la pièce ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui. Ah bah dire, ouais. C'est balèze, hein, franchement. Ah, c'est énorme. Là, du coup, j'ai pas, à part effectivement le ne pas déranger qui s'active. J'arrive, Alex, je suis coincée. Qui s'active ou qui se désactive. Selon le matin ou le soir. Bref, attends, je me décoince et après je recommence à parler parce que c'est insupportable. Putain ! C'est quoi déjà les phares ? Elle. Plusieurs fois. Deux fois. C'est on, il a un phare. Là, j'ai mis en place avec l'application Google Home un truc qui fait que à 6h30, mon bureau s'allume avec genre la multiprise de mon bureau et tout. Donc mon ordinateur s'allume. Même quand il est branché, il s'allume. Non, du coup, quand je suis pas là, je mets en mode genre je suis sortie quoi. Enfin, tu vois.
comme ça. Oh putain, je pensais qu'on pouvait faire le tour. J'arrive. Ok. Ça marche. Et du coup, ça allume mon ordi, ma multiprise et tout. D'accord. Et ça prépare, enfin du coup, ça me permet d'être prête bien avant de lancer mon live, tu vois, et d'avoir les bonnes lights. Et après, quand je dis à Google, genre, je travaille, bah ça éteint mes lights violettes et roses et ça repasse en mode genre lumière professionnelle. Lumière pro pour les visios. Ouais. Ok. J'arrive, hein. Promis, Alex, j'essaie de me décoincer là, c'est un peu chaud. C'est minant là, ça arrive. C'est... Et j'ai découvert, ouais. J'ai découvert une appli aussi ils parlaient d'une appli qui avait l'air pas mal. C'était Obsidienne, je sais pas si tu connais. Ah, je connais pas du tout. En gros, c'est une appli qui permet de structurer tes idées. Genre, quand tu veux créer un truc, et je pense que ça peut servir pour d'autres choses. Hein. Mais par exemple, moi, quand j'ai fait la Murder Party, je me suis fait des tableaux d'incidence des personnages entre eux, tu vois. Avec des liens. Ah oui! Et en fait, ça permet de faire ça. C'est des notes, mais sous stéroïdes, donc tu peux faire des liens entre. Tu peux rentrer dans ces notes-là et développer, puis dans d'autres, tu peux les lier à d'autres et tu peux les réunir sur un tableau. Ça te permet d'avoir une vision assez stylée. T'es pas un. Moi, j'ai ça, mais ça s'appelle Notion. Et c'est mon cerveau. C'est littéralement tout le fonctionnement de toute ma vie et de mon cerveau. Ouais. Et vraiment, c'est ouf parce que, effectivement, pareil, non seulement tu peux créer, genre, pour chaque nouvelle idée, des pages, des machins, mais des tableaux, des analyses de data et tout. Enfin, c'est vraiment très impressionnant, Notion. Ouais, c'est j'arrive en Allemagne. Et c'est ma vie. Mais t'as un calendrier. Qu'est-ce que tu fais? De quoi? En fait, je suis coincée. J'arrive pas à sortir, c'est, Alex. C'est payant, Notion? Non, c'est gratuit. Tu pourrais télécharger Obsidienne et me dire ce qu'il y a de mieux et de moins bien? Potentiellement. Attends, redis-moi ça. Excuse-moi parce que mon camion a fait beaucoup trop de bruit, j'ai pas entendu. Toi qui as Notion, parce qu'en fait, j'aimerais bien avoir cette pratique-là pour structurer certaines de mes idées, tu vois. Ouais. Tu pourrais télécharger Obsidienne et me dire laquelle est mieux entre Notion et Obsidienne, selon toi? Mais j'essaierai, mais très honnêtement, je suis quasiment sûr que je peux te répondre Notion tout de suite. Mais j'essaierai. Non, mais après, voilà, c'est quand t'as des habitudes, ça doit être plus compliqué, voilà. Mais peut-être que tu vas trouver des choses mieux. Tu vas faire autrement. Ou moins bien que l'autre. Je vais te dire. Non, et si tu veux. Benchmark et tout. Ouais. Non, mais comme tu connais déjà Notion, c'est pour ça, je te dis ça. Ouais. Bon, Alex, je te rejoins. J'ai dû me faire remorquer parce que je suis une grosse conne. Non, pardon. Je suis pas du tout une grosse conne. Le camion s'est bloqué. Délègue. Parce que Camille est un peu. Limitée. Comment ça, j'ai pas de connexion? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maintenant, on a affaire à un haut fonctionnaire. Hein. Et ouais, échelon 3. Échelon 3, hein. Ah mais c'est pour ça que tu disais bravo Alex tout à l'heure, Tanguy. J'ai dit 5 fois. Putain, ouais, ça m'est arrivé. Non mais je comprenais pas pourquoi tu disais bravo en fait. Alpha. Oui, bah après c'est pas... Bah non mais quand même, faut pas minimiser. Il y a combien d'échelons jusqu'au président de la République? Oula. Obsidienne. Catégorie... T'es catégorie, au sein de ces catégories t'as des échelons ça. Grosso modo, les échelons, ça va augmenter en fonction de ton ancienneté, quoi. Ouais. Grosso modo. Ce qui importe vraiment, c'est les catégories. Après, t'as des concours. Ouais. Des sortes de concours. Putain, je suis en train de passer sur le pont là qui s'est effondré là, à Baltimore là. Je pense, Alex, tu peux commencer à avancer, on va te retrouver. Non, je pense pas non plus. On va se retrouver, on va pas te retrouver, c'était dit vraiment très menaçant, de manière menaçante. Putain, faut que je m'y remette parce que là je suis toujours en mode touche Baldur's Gate donc ouais. Par contre les feux de route c'est toujours L ou c'est non, c'est K plafard. Ah voilà, là c'est mieux. Ouais. Comment on fait pour diminuer la fenêtre de du GPS, tu sais? F5, ah non, la diminuer. Ouais, tu peux. Oui, je crois. Putain. Oula. Ça va. Paramètres d'affichage, j'imagine si tu peux, mais jamais fait, donc je peux pas te dire. Parce que je me rappelle, je l'avais, elle était plus petite avant. Et bah.
Oui, Putain, il y a un bus qui a popé pile quand j'ai voulu tourner. Oh merde. Qui a popé. Putain, j'espère qu'on va se retrouver, je sais pas comment on va faire, attends. Obsidienne, est-ce que la pierre elle est violette c'est une sorte de pierre violette, ouais. Ok, ça marche, c'est bien ça. Comme de l'obsidienne. Et en fait, elle est gratuite, sauf si tu veux une utilisation commerciale. Alors, je sais pas trop ce que ça peut être sur cette appli là. Ah oui. Mais je vois pas peut-être si tu peux le partager. Franchement, peut-être. Très très honnêtement, une utilisation commerciale, je dirais que c'est peut-être pour les entreprises, ouais, un système de documentation pour toute la boîte, tu vois. Ouais. Par exemple. Un stockage plus important. Ouais. Bah parce que là, non, ils disent que c'est tout illimité, il n'y a pas de blocage et tout ça, la version gratuite. Ce sauf utilisation commerciale. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vendre tes notes? Je sais pas. Ouais, je sais pas trop, j'avoue. C'est bizarre. Non, mais organisation dans une entreprise. Mmh. Peut-être que. Après, peut-être que c'est une histoire de. Tu peux considérer que tu fais du bénéfice grâce à ça et que légalement, tu ne peux pas l'avoir gratuitement. Alors que si tu utilises pour ton. Oui. Utilisation personnelle, tu peux parce que tu fais pas de profit. Ouais, je voulais juste ça. Je voulais un peu aussi péter mon crâne sur le renouvellement de la licence de 3DS Max. Vous saviez qu'ils ont encore augmenté alors qu'il y a peu d'améliorations à mon logiciel depuis des années, hein, franchement. C'est ouais. Assez, ça, t'es devant moi là. C'est assez anecdotique. Bah malheureusement, c'est oui. C'est assez anecdotique les améliorations qu'ils font. Vous savez combien ça coûte par an à la boîte? Non. Environ. Environ 1 700 euros. Oh putain! Par an. Bah, après, pour une boîte en vrai, non, oui. Pour une boîte. Mais je veux dire, face à eux, il y a Blender. Ouais. CKD, il est à peu près aussi cher. Il est encore, non, il est deux fois moins cher en vrai. Donc je trouve ça inadmissible pour un logiciel qu'ils n'arrivent pas à mettre à jour et qu'ils ne font pas évoluer, tu vois. Ah bah non, mais c'est bien sûr, c'est sûr. Et surtout qu'ils ont augmenté le prix à cette année. Ok. Store in Cloud. Mais tu vois, pour une boîte, oui, mais pour un indépendant, c'est impossible, tu vois. C'est... Ah bah oui, non, c'est sûr. Abusé. Create new note. Ok, je regarde un peu ce qu'il y a. Question complètement random. Sur Fruits, quand... je suis en live, je précise. Hein. Quelqu'un qui t'envoie un truc, une question, là, que tu réponds. Mais après, une fois que t'as répondu ou que l'autre répond, est-ce qu'on peut vraiment faire des messages? Ah alors, bah, ce serait bizarre que non. Je sais pas. Ouais. Je connais pas la réponse, mais je pense que ce serait étrange. Je crois qu'après, faut que vous matchiez tous les deux. Hein. C'est juste. Oui, bah c'est d'accord, mais. Vous avez matché tous les deux après, ouais. Ça commence toujours par une sorte de question à la con, genre. Ah ouais, ouais. Bah c'est nouveau ça. Tu peux pas envoyer des messages directs? Non. D'accord. Je pense que ce serait pas logique que ce soit pas le cas. Et pas Palia. Eh oui. Ok. Bon, je vais faire quelque chose. Oh là! Qui est pas très bien. Tu fais quoi? La brute force. J'ai fait. La manœuvre que je fais quand je prends le rond-point de. Tu de jeunesse qui est chez moi. Ah oui! Je vois exactement ce que tu veux dire. J'ai eu peur en fait parce que t'as enchaîné avec ça en disant. Oui, tu parlais de Fruits et du coup je me disais, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pirater Fruits. Non, il va juste passer sur le rond-point. Ouais. Je t'aurais pu dire, je vais passer dessus, j'aurais fait quoi? Il parle de Fruits là? Je vais le traverser. Ok. Je vais le traverser. Quoi? Passer au travers. Passer au travers. Bon, alors Fab, tout de suite un a priori sur l'appli. Ouais. Un retour là, j'ai genre ouvert 5 secondes. Notion est beaucoup plus agréable. Enfin, tout de suite tu comprends ce que tu peux faire, ce que tu. Ou cliquer, machin. Ouais, alors à mon avis, il est plus. L'appli prend tout son sens sur un Mac ou une tablette, je crois. Ok. Ouais, parce que sur portable, c'est horrible. Ok, ok. Ok. Mais apparemment, alors, tu peux tout synchroniser avec ton appli plus ce que t'as. Enfin, c'est ok, bah Notion c'est pareil, t'as genre un compte et après tout est retrouvable entre portable, navigateur ou appli ordi. Ok. En vrai, je te conseille de regarder. Non, mais je vais essayer Notion. C'est. Si tu veux, je pourrais te montrer à quoi ressemble le mien. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Le compte Fruits ou. Pardon, je peux écouter. Son profil pour me donner des idées, profil Fruits, savoir quelle photo je mets. Je m'achète fou
tu lui aides même pas. Moi je date que Astarion et David Tennant, c'est ok. Et les chats. Et les chats. attends, parce que là du coup j'ai dit que je t'attendais, mais là on en est où? Il me reste 4 heures. Alors moi il me reste 6 heures et Alex. Attends, Alex, t'es où? Quand est-ce que tu rentres 6, sur le 52. Attends, bon, je t'attends, fais voir. Normal, je veux juste voir où est-ce qu'on se rejoint. Ok, je t'attends là où je suis, on va se rejoindre là. Ah, mais en fait, j'ai pas tant que ça parce que j'ai le bateau jusqu'à la Corse. Ah, qui oui, en fait passe en 10 secondes. Ah, mais oui. Donc j'ai peut-être que 10 heures. Que 10 heures. Et moi j'ai Spotify. Oh. Putain, bien joué. Alors vas-y, si je prends mon Mac en attendant qu'Alex arrive. Je regarde Obsidian. Obsidian. Ça vaut combien Tamagotchi? 20 balles. Ou... Non, attends, les nouveaux, je non, pense que les nouveaux, 50, ceux-là, ils sont à 50. Il était en promo à 50, celui-là. Ah. Il coûtait 60 ou 69 à la base, je crois. Mais si tu veux, moi, je te prête mon Pix pour que tu puisses voir ce que c'est. Non, mais je regardais le mien que j'ai et j'ai vu à 100 balles sur eBay. Ah ouais, c'est lequel le tien? Un bleu. Non mais il a pas un genre... Moi tu vois mon très très vieux, c'est un Tamagotchi Connection. Bah j'ai rien de marqué dessus donc je sais pas comment... Ah le Tamagotchi Connection avec la petite antenne et tout? Non il a pas d'antenne le mien, tiens c'est marrant. Ouais il avait une petite antenne je crois. Ah j'ai une petite antenne avec une petite boule en haut. Ouais ouais. Bah c'est un Connection mais version... Et ça a l'air d'être un version 4. Moi c'est pas un version 4. C'est quoi le mien? Oh, il est rose à paillettes. Oula, il y a Alex qui arrive, je le vois. Oh, il est bleu, il a des paillettes aussi, mais c'est la poussière. Tamagotchi rose à paillettes. Ah, est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. D'ailleurs, faudrait que je continue à regarder. C'était j'arrive, Alex. C'était Squeezie et l'autre qui jouait à un jeu où c'était un Tamagotchi qui prenait possession de leur ordinateur là. Oh non. Merde, j'aime pas l'autre qui joue, mais bon. C'est qui? Squeezie et son pote là. Comment il s'appelle? C'est qui? Michou. Ah non, Leclerc, putain, je le déteste. En fait, moi j'aime pas. Je pense qu'il est pas méchant, mais j'aime pas du tout sa manière d'être, tu vois. Alors, si c'est un con en vrai. Pas en vrai, j'ai jamais rencontré, mais c'est un con. Il agit comme un con. Voilà. Et bah du coup, il a été horrible avec Bagheera et tout. Ah ouais, c'est vraiment quoi, un abruti. Quoi il a été horrible avec Bagheera. En gros, vous savez la vidéo, hein. Vous savez la méga vidéo de Squeezie de comment ça s'appelle, de meurtre dans un manoir là. Ah oui. Genre tout le long, mais tout le long, Bagheera, elle a averti sur un truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Léo Clear lui a dit ta gueule, mais enfin lui a pas dit ta gueule, mais il lui a peut-être même dit ta gueule, mais il a dit méfiez-vous d'elle et tout, elle dit n'importe quoi machin. À la fin, quand ils se sont rendus compte qu'elle disait la vérité, lui il a pas dit oh pardon t'as pas écouté, il a dit mais pourquoi tu l'as pas dit. Ah un gros elle coup. Tamagotchi Marine, du coup je remettrai les films. Ah non. Pas de soucis. ouais, mais du coup alors. Non, mais il est comme ça avec tout le monde, c'est pas Bagheera ou quoi que ce soit, c'est. Oui, et, mais et c'est détestable que, comme. Que Camille, tu racontes ton voyage aussi, en vocal. Mon voyage à Paris? Ouais. Ah, bien sûr, je te ferai un vocal. Aussi. Oh. Et elle a pas tout suivi les autres messages. Et bisous. Et oui, gros bisous, bien et sûr. Et gros bisous, bien sûr. Et c'est bien, tout bon, toi? Oui, c'est tout bon, toi. Du coup, mon Tamagotchi Rosa Paillette, là, moi, il est à 199. Dollars sur eBay. Voilà. Après, le truc avec sur eBay, même. C'est que tu sais pas depuis combien de temps ils sont en vente, si tu trouves c'est un prix. Exactement. Ça les vaut pas du tout. Exactement. Après, de toute façon, je compte pas ni lui ni les autres que j'ai chez mes parents, je compte pas les vendre. C'est même bien. Je les aime trop. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Après, je t'avoue que c'est Pardon. Oups. C'est un Tamagotchi qui a 600 balles, je t'avoue que je préfère le revendre. Bah, j'avoue qu'il y a peut-être un moment où je me poserai la question, mais je sais pas. Moi, faudrait que ça soit plus élevé encore, je pense. Parce que la valeur sentimentale, ça me fait super mal au cœur en vrai. Aussi. Ah oui, parce que moi, pas du tout. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça me ferait trop mal. 100 balles, je le refile. Ouais, moi, je veux 100 balles et un Mars au moins. qu'est-ce que je veux dire? Ouais, non, je disais, la vidéo de Leclerc et de Squeezie, du coup, c'est plutôt Squeezie avec Leclerc.
En fait, en gros, ils installent un jeu qui. Et c'est un peu comme Clippy à l'époque de Windows 98, tu vois. En fait, t'as après dans ton ordinateur, t'as une sorte de Clippy un peu chelou. Et en fait, plus t'avances dans le jeu, plus il va prendre des fenêtres de ton ordi, les déplacer, comme un virus, ah, souvent. Oui. Comme un virus, et te forcer à jouer à certains trucs. Et il va faire apparaître, ah, il va, oui. Il va imprimer des trucs bizarres sur ton. Enfin bref, c'est très bizarre. Bref, voilà. De quoi? Je vois. Non, j'ai renversé un bus devant ah, Alex. D'accord, je me demandais pourquoi il rigole comme ça. Oui, je vois, mais faudrait que je regarde cette vidéo, même si effectivement je déteste le clear, mais je regarde. Elle est assez creepy en vrai, et j'ai fait putain, wow, c'est cool. C'est Je regarderai. Du coup, par rapport à Obsidian. Ouais. J'ai juste ouvert la page sur la page web et je comprends l'intérêt d'un truc. Ouais. Je sais pas si c'est possible de le faire sur Notion ou si on peut mettre des extensions ou quoi, mais c'est les espèces de cartes mentales là. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, sur Notion, tu peux pas les faire celle-là? Bah. J'en ai jamais vu. D'accord. Mais je trouve qu'il y a tellement d'autres possibilités. Parce que moi, c'est vraiment ce qui me manquait hein, pour ma Murder Party. Ouais, bah ouais, je comprends. Les cartes mentales, c'est fou. Bah ouais. Mais peut-être que c'est des choses à combiner aussi. Après, tu peux avoir les deux. Genre Obsidian et tu te fais des cartes mentales. Que tu linkes dans Notion, qui est ton cerveau où tu regroupes ça et d'autres trucs, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que du coup, je vois effectivement l'intérêt d'une carte mentale. Je trouve ça super. Parce que, et en plus, du coup, tu peux rentrer dans ces cartes mentales et faire des sous. Ouais. Mais ce connard, il me double par la droite. Tiens, mange-toi ça. Oh, t'imagines sur la route, Alex, qui s'énerve. Tiens, mange-toi ça. Oh. Ben, je pense qu'il met un gros coup de volant. Ça, hein. Ouais, je pense aussi. Non. T'es comme ça avec les gosses? Mange-toi ça et on pousse dans l'herbe. À la cantine. Mange-toi ça. Je pousse pas dans l'herbe, je pousse sur le goudron. Sur le parking, ouais. Sous les voitures. Non, si, dans l'herbe, là où les klebs du coin font leur besoin. Ouais, je comprends. Ah, merci. J'arrive dans une heure. Pas de soucis, nous on arrive. Oh putain, mais on a pris trop de retard, faut qu'on avance avec ça. On arrive dans 5 heures. Ouais, ça va vite après. Hein. Ouais. Je pense que ça se voit qu'il date un peu quand même le jeu. Il y a encore des gens dans les péages. Ouais. Oui. J'avoue. Il y a encore des gens qui conduisent les voitures d'ailleurs. C'est vrai ça. Longue vie au Tesla. Ouais. Hors sujet, mais je peux vous raconter ce que j'ai fait moi, de trentenaire. Okay. Il y avait encore un sujet avec alors les fini, Tesla. Alors finis sur le sujet et après je raconterai mon truc de trentenaire. J'ai juste vu une vidéo vraiment d'un gars qui se la pétait parce qu'il avait réussi à faire bugger, enfin faire fonctionner sa voiture sans qu'il ait à mettre les mains sur le volant en mettant une petite bouteille pour faire un léger poids, tu sais, dans le coin de son volant. En fait, la voiture elle finit dans le fossé. Vraiment, il se la pétait, il faisait oh, c'est trop bien, tout comme ça. Puis la voiture, elle se déporte, et, pff, et tu vois. Eh ouais. Fait, ah, bravo. Ça, c'est pas pour rien qu'il ouais. faut remettre les mains sur le volant toutes les 10 secondes. Ouais, pas des bouteilles. Bref, bah, des oui. sur les mains. Ouais. Parce que si le virage il est trop tendu, c'est pas la petite bouteille qui va rattraper le coup. Non, c'est clair. Non, mais c'était même pas ça, je pense que c'est. Enfin, ça même. C'était à cause de la bouteille, je pense. Ça mettait une pression. Ah ouais, encore pire. Ah bah et oui. Du coup, la voiture, elle comprenait pas. Bref. Ouais. Je comprends. Et donc, à ton tour. Alors, moi, ça va vraiment être un truc ennuyeux as fuck, hein. C'est un truc de trentenaire de cuisine. Ah là, tu me fais okay. bailler déjà. Non, j'ai caché. Ok. Est-ce que vous savez à quel point les bouillons cubes sont mauvais pour la santé? Genre ils sont bourrés de trucs chimiques ah, de merde. Ouais, oui, mais j'adore ça, en vrai. Voilà, et ben aujourd'hui, j'ai fait le truc le plus trentenaire de ma vie, j'ai fait mes propres bouillons cubes. Ah oui, alors attends, du coup, t'as lyophilisé un poulet? Non, parce que du coup, je les ai fait avec des légumes. D'accord. En gros, j'avais plein de légumes surgelés dont je me sers jamais et que j'allais finir par jeter parce qu'il faut que je vide mon congèle et voilà. Du coup, j'ai genre vidé tous ces légumes-là dans une poêle. J'ai fait cuire jusqu'à ce que toute l'eau sorte au maximum. Ensuite, j'ai tout mixé. Ensuite, j'ai remis la pâte dans une poêle
pour réassécher au maximum. Ensuite, j'ai mis sur un papier sulfurisé en forme de rectangle. en forme de rectangle. Et là, j'attends que ça refroidisse à fond pour les mettre au congèle et découper en petits cubes et tout. Et j'aurai mes petits bouillons cubes, quoi. Ah ouais. Okay, super. Sans trucs chimiques de merde. Bah, voilà. Tu sais quoi, moi, la dernière fois, moi, j'avais fait des pâtes. Et j'avais, ouais. j'avais mis un bouillon cube que j'avais un peu prédécoupé comme ça. Et, ouais. et je pense qu'il y en a un, il s'est pas vraiment dissous totalement dans. Ah, t'avais dans un gros. J'avais un gros bout de bouillon de cube dans la bouche. Ah ouais. Et je peux te dire, là, tu sens que c'est chimique. Hein. Là, tu ouais, fais. Ouais, ah puis... ouais, c'est chimique. Mais par contre, c'est bon. Bah, c'est ça, en fait, c'est délicieux. Dans les pâtes, c'est une tuerie. Ouais. Bah, c'est bien bon, voilà. Si ça provoque le cancer. C'est littéralement une tuerie. Mais du coup, voilà, j'étais assez fière de moi, figurez-vous. J'aurais pas la patience. C'était ultra facile et rapide, franchement. Bah, ouais, non. en soi, je suppose. Mais alors, t'imagines si c'est un boulon de volaille ou autre. Un boulon de volaille. Un petit boulon de volaille. Ah, ça doit faire mal. Un bouillon. Après, en vrai, je sais pas comment ça marche si tu mets la viande, mais en vrai. C'est chaud là aussi, c'est chaud là. Je sais pas comment tu fais. Ouais, je sais pas. Peut-être genre tu fais cuire un poulet rôti et tu récupères tout le jus de ton poulet. Et puis. du jus de poulet. Oh non. Quoi Attends, j'ai loupé une blague. J'ai loupé une blague. Et comment on fait du jus de veau à ton avis? Ah. Elle bug. C'est le A bugué. Oula. Oh, mais tu bug bien. C'est moi qui bug? Non. Tout le monde bug là en fait. Allô? Discord. Wow. Allô Discord. Allô Discord. Je suis un robot. Back it. Break it. Do it. Make sense. Everybody burger, burger, I be Ricky Burger, ready, not the ready, ready, rock and break it, over. Rock it, mix it. Ever after. Break it stronger. Merde, ça dure longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'arrive pas à avancer? Break it, mix it, do it, mix it. Bon. Pourquoi j'arrive pas à avancer? Allô? Je pense que Discord a bugué. Et Discord il a bugué. Discord il a bugué. Je sais pas où je dois aller moi. Putain, c'est la première fois que j'arrive à ici. Ah, c'est là. Putain. On va faire jouons la sécurité. Ah, allô? Ça va mieux? Ça va mieux, ouais. Putain. Bah, on s'est transformé en Daft Punk. Ouais, il y a les Daft Punk qui sont arrivés là. Ouais. C'était drôle. C'est le prix du Danette au fruit. Une scène Danette au fruit. It's gonna celebrate. Satisfaisant, j'ai eu. Oh, nous on arrive dans 3 heures. Waouh. Et demi. Et demi. 3 heures, ça va en vrai. Et demi. Je crois qu'il me reste 2 heures aussi donc. Parfait, ben on va pouvoir s'attendre. Et moi je voudrais les Janet to free. One more time. Attends, du coup faut que je mette à jour les plugins. Ah bah ouais, enlève les... Laisse que les mods que j'ai envoyés. Alors, en photo là. Comment je fais? Tu retournes à l'accueil en faisant quitter. Je vais à l'accueil en faisant quitter, ok. Oh. Oui. J'ai un collègue qui m'a dit que si j'arrivais à dessiner un dessin de Astarion, David Tennant et moi en trouple, il le mettrait en fond, bien sûr en safe for work, il le mettrait en fond de caméra pendant un mois. Mais tu sais qu'il y a mi-journée, hein.
C'est pas impossible, hein? C'est... Non, mais j'ai envie de jouer le jeu et genre de vraiment dessiner et tout. Ok, non, parce que mid-journée, tu peux faire un style dessiné hein, aussi. Hein. C'est vrai, mais j'ai envie d'un vrai truc parce que Oui. c'était Moi, genre. si tu veux, je dessine, hein, si tu veux. J'avoue. Je Non, non, mais je vais. dessine. Il me fait tu dessines un peu toi? Et du coup, il m'a lancé le challenge. Je vais, allez, vas-y. Ça, Ah. ce serait marrant. Ce sera pas ultra beau, mais ce sera marrant. Oh, si, si, il y a des tenants. Bah, du coup, du coup, j'ai commencé à me dessiner moi qui tire la main à Astarion et David Tennant. C'est des bonhommes bâtons pour l'instant. On voit les motivations. Alors, Ouais. Oh putain, j'avoue, Tanguy, je suis désolée! pourquoi? Tu sais qu'en Ah plus, oui, j'y ai il y a un pensé dessin à faire, c'est ça? en commençant à dessiner Astarion, j'y ai pensé! Oh non, de t'es quoi? juste 2 ans et demi, Parce quoi. que je dois un dessin à Tanguy! Oh là 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 Avec les points là. de chaîne, avant qu'on se voie pour la première fois, Oui, j'avais avant qu'on se payé avec les points de rencontre. chaîne un dessin. Oui. Et tu n'étais C'est pas concentré. toujours. Mais non, mais je... C'est toujours dans les trucs en Mais attente moi, de j'ai... C'est validation de bon, moi, j'ai les points. mêmes modes que toi, hein. C'est bon, t'en as pas? Ah bah, ça veut dire que t'as pas joué la dernière fois alors, je Ouais, pense. non, j'ai exactement les mêmes. Alors, Bah, Camille, sache nickel. que si tu le fais jamais, ce dessin, je le prendrais pas mal, hein. Oui, mais je le ferai. Ah J'y mets un non, point mais d'honneur, bon. hein. Un point J'y mets un d'honneur, point d'honneur. ça doit faire. Ah, je vais faire C'est pour tirer un notre bras d'honneur. amitié, Tanguy. C'est pas... J'y mets un point Un d'honneur. point d'honneur, un bras d'honneur. Un doigt Non, non, d'honneur. c'est pour notre amitié. Ah, je peux faire mieux ça. Pour Une fêter notre quoi? histoire d'amitié. J'y mets un doigt d'honneur. Ouais. On parle de Frust toujours T'inquiète. ou. Mise à l'échelle, on va faire plutôt petit là. Attendez. On sait J'arrive, quoi ce qu'elle me j'arrive. demande le Qui? voyage qui te donne le plus envie entre l'Égypte Oh! et le Japon. Oh putain. Moi, vous pouvez deviner ou pas? Ouais, l'Égypte, l'Égypte. Ouais. Bah, en vrai, j'arrive pas à choisir parce que autant. Alors, autant elle me demanderait de. La question, ça aurait été. Qu'est-ce que tu aimerais Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? faire un voyage au Japon? Ouais. Autant avant, j'étais plus en mode ouais, je veux aller à Tokyo, je veux voir tous les trucs dans le quartier, dans les bons quartiers geek, machin truc. Autant maintenant, mon trip, ça serait les jardins de cerisier et les temples. Et du coup, bah, des belles pyramides et des beaux sphinx en Égypte, Moi, quoi. je vous avoue que j'aimerais trop qu'il y ait un maître katana qui m'apprenne à faire un katana. Je Ah vois, je trouve c'est ouais. trop stylé. En vrai. Mais Ouais. ça fait un peu problème de riche, mais Je me c'est rappelle incroyable. la scène dans Kill Bill. Ouais. Si, c'était ça, c'était une J'y scène lapin. avec. Ouais, il Moi, a je ses pense que manches, du moi. coup, j'irai jamais de toute ma vie Oui. entière au Oui. Japon. Ouais. Jamais. Ouais. Genre, je mourrai sans avoir vu le Japon et ce sera fine. Tu Genre, m'étonnes. je pourrais pas. C'est Ouais, genre, là, rien que d'y penser. Je ça t'a trop marqué, ouais. pense que pour moi, le pays a disparu de la map en Bah, fait. comme les États... T'as fait comme un peu comme les États-Unis, du coup, t'as imaginé... T'as acheté une bombe dessus, c'est ça? Ouais, non, parce que Bichette, ils ont le droit d'exister, eux, quand même. Mais pour moi, le pays est invisible. Si je devais dessiner une map monde, ce pays n'y serait pas. Voilà. Même si les habitants ont le droit d'exister chez eux, mais et chez nous aussi, mais juste je ne les vois pas. Ah oui, pour la Voilà, mais précision, après... chez eux, c'est juste. Oui, j'avoue, j'ai un peu regretté d'avoir dit ça. Après, tu sais, des fois, un accident est si vite arrivé. J'avoue, si ça peut Oulala. toucher une seule Oh là là. personne. Oui. Ah, Ouais, je vois ce que je tu veux crois que dire. c'était le fait d'aller au Japon. Un accident qui est arrivé. Bon. J'ai glissé, je suis partie Quoi? au Japon. C'est comme ça qu'il lâche les pieds. Genre, au lieu de tomber dans les backrooms, tu tombes au Japon. Ouais. Après, tu Ah, veux genre cette année, Ouais. ça peut peser dans la balance, hein. Moi, ça sera tout. En vrai, le problème, c'est que du coup, en fait, je pense que je pourrais. Genre, aucun pays d'Asie. Aucun. Rien. C'est triste. Si, 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 attends. Bah et quand Attends. même et Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire le Vietnam, ok. ah. Ok. L'Indochine peut-être? Bah, alors. Le mec a pas compris la blague, tu sais. Qui a raté une partie de l'histoire. Si, si, le Vietnam, c'est fine, j'irai avec grand plaisir. Avec qui?
avec vous tous, chers amis. Et sinon, encore, non? Encore? En Corée? Encore, juste la... encore. Quoi, l'accord? La cité d'encore. C'est un truc que j'aime bien faire. Ah! Ah! Oui, c'était un peu ma blague, c'était un peu une blague, mais je l'ai foiré. Ah, ok, ok! Mais j'aimerais bien faire. C'est pas au Cambodge, ça? Oui! Bah, le Cambodge, c'est pas très loin. Enfin, je crois. Bah, c'est à côté, mais c'est pas le même pays, quand même. Ah, non, mais c'est l'Asie! Oui? Ah, oui, oui, oui. Ouais. Ah, oui, 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 c'est bien l'Asie, ouais. Mais après, il faut y aller en car, hein, parce que sinon, en avion, on pollue trop. C'est... Oh, alors par contre, vous savez ce qui me ferait trop plaisir, c'est un voyage dans le Polar Express. C'est le Polar Express non, c'est l'Express. C'est le... Ouais, on parle de la même voilà, chose. C'est ça. Celui-là qui fait la Russie jusqu'à. Transsibérien. Ouais, le Transsibérien, merci. Ouais, le truc où tu dors dans des couchettes ouais, et tout. Ouais, ouais. Et bah ça moi je le ferais bien. Ouais, moi aussi. Les Sucres déjà. Hein? C'est quoi les Sucres déjà? C'est truc qui essuie les vitres quand il pleut. Ah merde, du coup j'ai raté un tournant. Bon, ça va, c'est ça me rajoute pas tant que ça. Alors, j'héberge le convoi si vous voulez. Ouais. Il y a déjà un de fait, non? Ah bon? Bon, c'est pas grave. Oui. Comme ça, il en prépare et toi, Tanguy, tu peux rejoindre et puis. Mais ouais, franchement, le transsibérien là. Mais en vrai, j'aimerais trop genre mettre plein d'argent de côté et aller dans une cabine de luxe, quoi. Mmh. Oh putain, mais moi aussi, ça m'a rajouté du temps. Mais quoi, la sortie, elle était super mal indiquée. C'est de la merde. Ah, mais d'accord. Vous allez finir au Japon, hein, finalement. Bah, y a moyen là, hein. Prends, vu la route qu'on prend. Non, je sais pas où on va. Du coup, le serveur s'appelle Copain. Et Copain. Le mot de passe s'appelle FAB. Bah, de toute façon, on rejoindra. Il est accessible aux amis? Je crois, hein. Oui. Enfin, je veux dire, on peut rejoindre par contact, ouais. Ouais, je pense, hein. FAB. Mmh. On arrive, hein. On s'est rajouté un peu de temps en loupant la sortie, du coup. Il est super beau, ton Tamagotchi, Tanguy. Merci. Ah, j'ai pas vu. Tu veux me proposer de me le vendre 100 balles? Et un Mars? Je te ferai un prix d'amis, je le mets à 200. Côté sentimental, Tanguy, là. Il est joli, hein. Mais en vrai, il faut que je retrouve mes autres chez mes parents. Là, j'en ai un que j'ai ramené, mais il faut que je trouve tu les autres. Tes parents? Il faut que je retrouve mes parents. Papa, maman. Je suis trop content, la série là qu'on oui, regardait. Tu... Ouais. De ouf. Ce qui était vraiment comme une murder party. Ouais. En fait, j'avais spoté de qui c'était l'assassin. Oh, GG, c'était quoi la série? C'est Meurtre et autres complications. Ah, faut que je regarde, il me semble que... C'est sur Disney+. Et ouais. Vraiment pas mal, et ça prévoit peut-être une saison 2 en plus, donc c'est cool. Ah, ouais. Ok. J'imagine qu'ils ont laissé ouvert pour une saison 2 au cas où ça... Enfin, si ça marche, ils... Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est pas forcément besoin d'une saison 2, hein. Le scénario marche bien, très bien tout seul, hein, mais... Oui, c'est pour ça, ils ont prévu... ça peut finir comme ça, mais ils laissent quand même ouvert une saison 2 si ça marche bien. Exactement. Et c'est pas... Sur Disney+, il y a une série... Alors, je vais peut-être dire une énorme connerie avec Selena Gomez. C'est vraiment une énorme connerie, ce que tu viens de dire. Un Lumander and the Building. Oui, j'avais commencé la saison 1 et j'avais trouvé ça trop bien. T'as regardé, Tanguy? Je crois que j'ai pas vu les derniers épisodes de la saison 4. Ok. Quatre. Mais t'as... Ah oui, donc t'as bien aimé. Oh shit! Oh là là. Ah, ça me... Ça. Non, c'est pas... Oh, on dirait qu'il est dernier. C'est pas de la merde. Ah, ouais. Toi, Alex. Je me suis pris... Ah, il a mal tourné, je pense. J'ai mal tourné. Alex a mal tourné. Alex a mal tourné, il vend de la drogue maintenant. Ah non, pardon, j'ai confondu Alex avec un buisson. Quoi? J'allais dire oui, il est sorti de la route, mais c'était un gros buisson. Ça va, gros buisson. Non, ça va pas, j'ai des problèmes de vision aujourd'hui en vrai. Alex le gros buisson. Je vois rien. Alex le buisson. Alex le buisson. Et du coup, ouais, t'as aimé Tanguy alors? Ouais, c'est... Oui. C'est sympa, ok. Bah, faudra que je continue parce que j'avais vraiment aimé le début. Après, il y a des scènes plus sympas que d'autres. Il y a même Marine qui m'a dit « Tais-toi okay. !» Dans la série, il y a même Marine qui m'a dit « Tais-toi !» Parce que du coup, je disais « Mais en fait, en vrai, ça peut être que cette personne. » Parce que tous les autres, ils ont servi à quelque chose dans le scénario, pas elle. Tu vois, cette personne-là. C'est bon, ça spoil. Ouais. J'avoue. Voilà, vous verrez. Les spoils, là.
Alors, et par contre, vraiment, j'étais là, j'étais. Mais c'est ma murder party, c'est pas possible, il se passe la même chose. Enfin, franchement, ça, je pourrais mettre ça dans la murder party, tu vois. Ah ouais. Ah, mais ça me fait envie, faudrait que je regarde. Ouais, très bonne série. Et vous avez regardé Le Problème à Trois Corps qui est sorti sur Netflix? Non, pas encore. C'est quoi? Non, j'ai pas Netflix. Apparemment, c'est la. Après, ça se télécharge, mais c'est la série à plus gros budget de... au plus gros budget de Netflix. Et c'est par les. C'est quoi, les scénaristes de Game of Thrones? Ah oui, c'est pour ça qu'il y a le gars de Game of Thrones dedans. Il y a un mec de Game of Thrones, ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est scénariste. Le gars avec ou les moustaches là. Juste la réalisation. Parce que. D'ailleurs. Je sais plus, ouais. Alex. C'était marrant parce que ce gars-là, je l'ai vu dans Moonfall, mais très récemment. Ok, c'est quoi Moonfall? Bah, en gros, je vous le conseille, si vous aimez bien les films catastrophes où ça part n'importe quoi en couille, genre 2012 ou Armageddon, tu vois. Bah en gros, là, c'est la Lune qui change d'orbite et qui va tomber sur Terre, en fait, en gros. Ah, ça me parle, voilà. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment pas mal. En vrai, le scénario, c'est pas juste ça, ça va vraiment, vraiment loin. Okay. Et j'aime bien. En vrai, c'était super cool. Ok, c'est bon à savoir. Voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder Moonfall... Et en plus, c'est le gars qui joue dans Conjuring. C'est celui qui enquête là. Ah, j'ai pas vu Conjuring, malheureusement. C'est le gars qui enquêtait. Mais si, on y a vu à des Halloween. Ah, mais tu sais que moi je dors pendant les films d'horreur. Non, mais en gros, le gars, l'enquêteur de ou l'autre là, c'est le qui fait la. Comment ça s'appelle là? La poupée là. Attends, en vrai, ça me parle un peu parce que j'ai regardé le résumé de Matt se fait des films, je crois. C'est Matt se fait des films? Bah, en gros, l'enquêteur, en gros, c'est le personnage. L'enquêteur. Ouais, ça me parle un peu. Voilà. Putain, mon camion il dysfonctionne. Ça fonctionne. Oh. Bravo. Chips, Alex. J'arrive. T'as pu rejoindre mon convoi, Tanguy? Ah, mais t'as pas fini. Ouais, je suis à fond là. Ah. Comment ça? Il a pas fini. Je suis en marche arrière. Ah. Il a pas envie de rejoindre. Comment ça, t'es en marche arrière? Ah, mais t'es en train de rejoindre un parking? Bon. Ah. Ouais. Je viens de finir mes 48 heures de voyage. 39 heures. Voilà. Waouh! Wow. Quel dieu! Quoi? Nous, il nous reste 20 minutes avec Alex. C'est tout? 20 minutes en jeu? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie, dans la vraie vie, okay. Ouais. Alors. Je vais juste faire un truc qui va être. Et alors, par contre, du coup, on nous avait conseillé de regarder la série Rocco Siffredi, là. Super sexe. Ah oui! Et en vrai, j'ai commencé à regarder, j'ai fait oula. Ouais, pareil, j'ai regardé genre un quart d'heure et j'ai trouvé ça nul à chier. J'ai fait bon. Ouais. Pas ouf. À part contre, Camille, Unlimited in the Building, t'attends pas à avoir un truc vraiment d'enquête, c'est plus du. Enfin, t'as une partie enquête, mais c'est plus du humoristique. De l'amitié, humoristique. Ouais, ça me va très très bien. C'est un petit podcast, enfin voilà, c'est. Ça me va super bien. J'adore l'acteur, c'est celui qui joue à l'inspecteur Clouseau dans La Panthère Rose, là, il me tue. Le cheveu blanc. D'ailleurs, tu crois pas si bien dire parce que dans cette série. Non, je sais pas. Il meurt. Il me tue. Il tue. J'en sais rien. Je sais pas. Je n'ai pas vu la série. Non, petit bichon, ça m'étonnerait. Il est trop mignon. Oh, c'est pas un argument. Là, justement, c'est les plus mignons qui sont les plus dangereux. Hein. C'est vrai. Exactement. C'est vrai. Dans Baldur's Gate, Astarion, il est quand même vachement dangereux. Et il est trop mimes. Agrou. Oh. Le vampire. Graou. Non, Agrou, le jeu de l'inquiété racine. Ah oui, c'est vrai. Putain, qui est tombé dans l'oubli. Oui, peu, mais quand c'est même. Comme tous les jeux de genre. Regarde. Ouais, c'est vrai. Ouais. Regarde quoi? Among Us. Ah. Oh, ça va. Ça va, Alex? Ça va. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu t'es coincé dans la barrière rouge et blanche. Je suis coincé, là. Je suis coincé dans la barrière rouge et blanche. Ah putain, mais moi aussi. Depuis le temps que je patiente. Dans cette chambre. Rouge et noir. J'entends qu'on s'amuser, qu'on chante au bout du couloir. Ok.
Quelqu'un a touché le verrou. Ah. Et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les dauphins, les farfars, les gens autour. Les dauphins, les dauphins, t'as dit ça? Non, je sais plus, au premier tour, j'ai dit maintenant. Est-ce que je savais plus? Les gens autour. Est-ce que ce monde est sérieux? Ils sortent d'où, ces acrobates? Avec leur costume de papier. Danse. De papier de danseuse. Je n'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Ah oui, c'était ça. J'allais redire contre des danseuses. Genre, vraiment, le mec, il a aucune inspiration dans ses paroles. D'ailleurs, en parlant de ça, comment il s'appelle ce chanteur déjà? Francis Cabrel. Francis Cabrel. Francis, nous d'amour. Je suis tombé sur le premier spam généré aléatoirement par une IA qui parlait de Francis Cabrel. C'était absolument ridicule. J'aurais dû prendre un screenshot, mais ça m'a fait marrer parce que c'était vraiment genre. Francis Cabrel, dans sa nouvelle interview, crée la polémique. Et alors je fais, ok, d'accord, je vais lire et tout. C'est Francis Cabrel, au cours de sa polémique pour parler de son nouvel album, alors qu'il sort pas de nouvel album. Alex pour rejoindre Fabien, A parlé d'une nouvelle appli pour gagner des 1000 euros par jour et tout comme ça. Et c'était ça l'article. Je fais, what the fuck? Et c'était en fait tout généré par IA. Vraiment absolument tout. Oh wow. Et du coup, je trouvais ça très très bluffant. Et un peu flippant. Bah oui, j'avoue. Une fois que ça devient. J'avoue. Mais bon, le fait que ça tombe sur Francis Cabrel, c'était ridicule. J'ai fait bah. Oui, bah oui. Est-ce que tu peux rappeler le mot de passe pour te rejoindre, s'il te FAB. Plaît? Ah oui, pardon. En minuscule? Oui. Parfait, merci. Mais TDR, t'es où? Mot de passe incorrect. Ah putain, je dois être en QWERTY, non? Et je peux pas le voir. FAB, ouais, du coup. Ça change pas grand chose, faut juste que tu fasses gaffe au cul. Faut que t'appuies sur le cul à la place. Eh ben, je fais gaffe au cul tout le temps, moi. Allez, comme Rocco. Je fais que ça. Comme Rocco, comme Rocco. Merde, mode incompatible. Color map. F, A, B. Je suis pas du tout un QWERTY en plus, donc je comprends pas. Ça marche pas? Mode passe incorrect. C'est les copains, hein. C'est bien sur les copains. Est-ce que la map. Je vais juste faire rejoindre. Ah ouais? Est-ce que la. Ouais. Est-ce que ton clavier est bloqué en. Eh ben, en mage ou... par ici, là, rejoindre Maolan, ouais. Ah, peut-être oui. Ah, attends, peut-être. Non, je suis pas en caps lock du tout. T'as aucune majuscule. Attends, quoi? Toi, Alex, t'as réussi à rejoindre? Ouais. Oui, oui. Bah, what the fuck, je sais écrire pourtant. Bah, visiblement. Visiblement pas, c'est horrible de dire ça. Bah, visiblement pas, Camille. Mot de passe incorrect. Ma pauvre Camille. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Bah, t'as bien réussi, toi, Alex. Donc, c'est bon. Oui, il y a un problème, il y a un. Ou alors, ça se trouve, vous avez tous les deux écrit genre FAV sans vous en rendre vas-y, compte, essaye. Et puis merde. Mais je crois pas. Hein. Non, non. Attends, fais voir si je cherche filtrage avancé, session. C'est où, session avec des amis Des amis. Putain. Les copains écrits comme copains, les vrais copains. Copa. Pas avec un accent marseillais. Copa. Ah bah si, putain, pourquoi c'est. Oh, alors là, je comprends plus rien, c'est la fête du slip. Non, c'est copain. Ok, effectivement, c'est du QWERTY, pas sur mon clavier, mais sur mon jeu. D'accord. Donc c'est la merde, voilà. Donc je peux recommencer en faisant FAB. Rejoindre la partie. Et du coup, je fais FQB. Mmh. Et voilà. Même dit impossible de rejoindre la session. Non, non. Mais attends, on va y arriver. Ouais, on va y arriver au bout d'un. Alors qu'on voit. Vous avez un peu roulé votre buzz depuis tout. C'est-à-dire? Je pense que Alex a rattrapé son retard par rapport à moi. Je pense pas qu'Alex est beaucoup plus joué que toi. Ah ouais. Je sais pas. Je suis pas sûr. Okay. On pourrait peut-être aller. Ah non, on peut pas aller, non, c'est dommage, j'allais dire, on peut aller chez Soubam, on peut pas. Ah oui, non. Mais je pense du coup, ouais, il faut que ce soit Alex qui choisisse une mission, mais quand Tanguy sera arrivé. T'es quel niveau, Alex? 4, je crois. Oui, 4. Non, 5, parce que je viens de... Ok, passe un niveau, voilà. Let's go, je suis là. Tu vois, moi, je viens d'augmenter, là. Je suis niveau 7, donc voilà. Ok. Mais on vous avez vu que Tanguy, il est à Ajaccio, donc peut-être qu'il faut partir vers Porto Vecchio, tu vois. Mais non, moi, je peux me déplacer, t'inquiète. Ah, ok. Ça me coûte 1000, hein. Ok.
je passe. Ça te coûte 1000. Ouais. Vous savez combien ça coûte, juste une parenthèse, une benne, une benne. Une parenthèse, je sais pas combien ça coûte. Combien ça coûte une parenthèse à votre avis? Non, mais... Je sais pas, un demi-centime. Une benne, combien ça coûte à votre avis? Une benne mais de quelle taille? Une benne à ordure, genre pour... Je pense que ça coûte... Pour vider. Combien de mètres cubes? Bah une benne, c'est une benne vraiment, un camion benne. Genre qu'on voit classique... Dans mon camion benne. Mais pas, genre ouais. Donnez un prix. Juste la benne ou genre le camion benne? Bah du coup faire venir une benne. Débarrasser. Oui, mais du coup, Ah donc faire venir une benne. Ouais. C'est pas juste t'achètes une benne et tu la poses dans ton jardin. Non. C'est okay. En gros avoir enfin faire pour débarrasser un truc. Voilà, c'est ça. Pour louer une benne ouais. OK. Je sais pas un cas. Un cas. Ah, moi je dirais genre peut-être 500-600 balles. Et bah, c'est Tanguy qui a un juste prix. Ah ça ouais? Ça coûte 900 et un peu plus. J'aurais dit 800 il y a une dizaine d'années, du coup là maintenant ça a augmenté. Donc... Ah ouais, ok. Bravo, Tanguy. J'ai l'expérience, c'est pour ça. L'expérience de sa benne. Et bah, figurez-vous qu'à Paris, c'est pas ce prix-là. T'as chié dans ta benne? À Paris? Ça va être beaucoup plus cher. Mais non, mais je suis en train de regarder là. Ah ouais? Et combien coûte je sais pas, c'est genre c'est le premier site sur lequel combien je suis. Combien coûte une location de benne? En moyenne 50 euros par mètre cube. Si vous avez besoin de votre benne pendant 6 jours, vous devez payer 400 euros plus 25 euros pour les frais administratifs. Ah ouais. Et nous, c'est... Le prix moyen d'une benne de 8 mètres cubes est de 400 euros pour 6 jours. D'accord. Et chaque jour supplémentaire est à 25 euros. On va se faire arnaquer alors. Nous, allez, bah je pense. Ok. C'était pour quoi? C'était pour le théâtre? Ouais, c'était une réflexion pour le théâtre, ouais. Bah, peut-être regarde d'autres entreprises. Ouais, effectivement. Maintenant, tu es bien que tu dis ça. Voilà. On devrait faire moins confiance peut-être à notre trésorier. Bah, peut-être, du coup. Moi, ça me paraissait très gros. Enfin, très fort comme prix pour ça. Après, ça dépend de la taille aussi, puisque t'as plein de tailles différentes, donc. Ouais. Bah là, c'est quoi? Il disait 50 euros le mètre cube, il disait à peu près? Ouais, en moyenne. À Paris! Alors je me dis, normalement, vers chez nous, ça doit coûter moins cher, quoi. Ouais. Donc vous avez tous pu y rejoindre? Ouais, on est tous là. Du coup, bah Alex, tu peux choisir. Du coup, Alex, vas-y. Ok. Culbuto, ok. Marché du train. Culbuto, ok. Culbuto, ok, ça c'est. Non, pardon. J'allais dire une connerie. C'était notre safe work un peu, non? Ouais, un petit peu, ouais. J'allais dire, c'est un peu Amsterdam. Alors, en prix kilométrique. J'ai Liège, 8h56. Et prends ce que tu. Bah, vas-y, prends le max, hein, c'est très bien. Et c'est des. Bah, c'est des tracteurs. Mais c'est pas grave. Non, mais on s'en sort, ça se passe bien. Alex qui est traumatisé par des tracteurs. On s'est coincé dans la barrière que. T'inquiète. Allez, j'ai lancé ça. Alors, attends. C'est où que t'as lancé? Là, son pseudo. Non. Allez. Sur Discord. Consulter, choisir une mission. L'appel est. Prendre la mission. Alors, du coup, vas-y, je suis en train de partir. Merde. Attendez, on arrive. Faut que je roule en même temps que je regarde Obsidian. Je sais pas comment je fais. Bah, je suis en train de regarder là. Et du coup, alors, ça te fascine? Bah, attends, là, je viens d'ouvrir l'appli. Je viens de télécharger l'appli sur Mac. J'étais sur le site web là tout à l'heure. Je pense que ça peut être super intéressant, même pour le travail en fait. À additionner à Notion. Ouais. Ah non, c'est bon. C'est bizarre, maintenant il tremble de ouf le. Ouais, c'est parti. Oh non! Attends, me dis pas. Attends, ouais, je dois faire un demi-tour de merde là. Ouais, moi aussi. C'est comme ça que je me suis coincé tout à l'heure. Ma pas. Ouais, pareil. C'est quoi le voyage du coup? C'est un demi-tour de merde. Genève-Liège. Faut que j'aille à Genève. Ok. C'est bon, je me suis décoincé. Moi, c'est je rêve ou quoi? 779 euros. Non, mais attends, moi je vais jamais y arriver. Moi,
C'est pas loin. J'ai jamais arrivé à me décoincer. Ouais, la sortie est un peu chiante. Attends. Calme, j'ai jamais arrivé à me décoincer. Mais si, mais si, ouais, t'inquiète, on t'attend. Mais si, mais non. Mais si, le football. Ouais, c'est ça, le football. Ouais, sur quoi je pourrais faire, genre, vas-y, je vais faire un truc sur mes projets Twitch. Voilà. Oh, j'ai fait tomber mon clavier. Quoi? J'ai fait tomber mon clavier. Oh, enfin, sur mes genoux, ça va. Bah, il a glissé parce que j'avais mis mon ordi du travail. J'ai jamais y arrivé. Si, si, tu peux y arriver. Il y a une putain de caisse en bois, là. Toi. Sinon, malheureusement, faut tout de suite que tu te fasses remorquer. Attendez-moi, hein. Ouais, t'inquiète. J'attends, je suis à Genève, mais faut que je retourne. Enfin, faut que j'aille jusqu'à l'endroit où il y a les. C'est impossible. C'est impossible. Attendez. Alors, comment on fait pour linker un truc? Bah. Tu as le temps, Fab. Ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu as 40 minutes. Ah, c'est ma manette qui a tremblé, c'est pas moi qui ai tapé le. Vous inquiétez pas. C'est pas toi qui a pété, c'est ta manette qui a tremblé contre le bureau, c'est ça? Vous disiez que je fais. Non, mais j'ai rascouté peut-être. Ah non! Non, je faisais juste de prendre le temps parce que moi j'étais pas. Il me reste encore une demi-heure avant d'arriver à l'endroit où je récupère le camion. Ok. Je crois que je t'ai jamais entendu rager vraiment. Non, c'est vrai. Non, mais moi. Genre à taper sur un truc moi, ou quoi? Jamais, je pense, ouais. Vous, peut-être tous. Non, peut-être ouais. Pas Tanguy. Tanguy, je pense pas. Moi, oui, Alex. Bah, pas dans les camions. Alex, oui. Bah, Alex, toi aussi. Mais moi aussi. Hein. Moi, taper sur mon bureau, j'ai déjà fait. Hein. Et. Mip. Mip. Je viens de voir un titre d'article. Fabien vit avec une puce de carte bancaire implantée dans la main. Ah oui, mais tu savais pas ça? Oh, ça fait des mois que je l'ai fait ça. T'as de la chance, Fab. En vrai. Moi j'ai vu quelqu'un qui avait transformé la puce de sa carte bancaire pour l'incruster dans une bague. Je trouvais ça assez stylé. C'est, je vous savais que je me suis fait, je me suis fait une réflexion. Alors je sais pas pourquoi je. C'est un peu une... pas de transition. Il y a pas de transition. Ah Tanguy. J'ai croisé une. Non. Oh salut Tanguy. J'ai croisé une dame qui avait un énorme furoncle sur le visage. D'accord. Quoi? J'ai croisé une dame qui avait un énorme fion sur le visage. Non. Du coup, j'ai pas compris ce que t'as dit. Hein. Vraiment, j'ai dit. C'est encore cette histoire pour moi. Un furoncle. Ah. Et un fion, c'est mieux. Ouais. Attends, j'ai un souci. Pourquoi ma manette? Ah, c'est un énorme fion sur le visage. Oui, c'est la manette qui bug. Attends, et du coup, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ouais. Mais en fait, on trouve ça dégueu parce que déjà le mot furoncle, il est un peu dégueu, tu vois. Ouais. Mais en soi, si ça s'appelait par exemple un petit bip, tu vois, un bip, t'as un bip sur le un visage, et ben tu fais, oh il a un bip sur le visage, mais là c'est un furoncle. Vrai. Bah, furoncle, tu dis, y a du bip, ouais, ça va te gerber à la gueule, là, voilà. Ouais. Oula. Alors que c'était une petite fleur, t'as une Tu dis, oh t'as un petit bip sur le visage. Oh, il est mignon le petit bip. C'est vrai. Est-ce que c'est pas à cause des mots? Si. Les mots sont-ils racistes? Oh là là. Oh là là. Okay. Oh là là. Oh putain. Calme, s'il te plaît. Oh non. Allez, j'arrête. C'était ma première et dernière action. Je suis bloqué. Oh non, c'est vrai. Oui, je suis bloqué. Oh non, moi je t'attends, je vais prendre de l'essence. Non mais regarde, comment je suis. Attends, je te vois pas. Attends, je vais ouvrir ton stream, putain. Attends. Pourquoi? T'es où? T'es là. Ah c'est bon, oula. T'as bien 3D. Ah c'est bon. Non, j'ai pas le son. Oh si, j'ai le son à fond. Aïe. Oula. Excuse-moi. La police, désolé la police. C'est bon. Bon. Je me suis débloqué. Allez hop. Alex, il a pris trop d'avance là. En plus, il faut qu'on attende Tanguy. Et donc, j'ai croisé aussi oui. Une dame qui avait un fion sur le visage. Je me suis dit que c'était. Là, j'étais moins dégueu. Ouais, non, c'était moins dégueu. Alors, moi, j'ai croisé un fion qui avait une dame sur le visage. Un visage qui avait. Un visage sur un fion, du coup. Ouais. Ouais.
parle comment? Une tête de cul. Une tête de cul. Un cul de tête. Il dit de la merde. En tout cas, il mâche pas ses mots. C'est pas mal. Bon, allez, ça suffit. Ouais, ça j'ai perdu mon seul joueur là que j'avais. Oh non, mais non, regarde, je suis arrivée, du coup, tu as gagné, c'est bon. J'ai trop hâte de passer sur ton stream et de faire des clips, hein, je peux te le dire. Demain matin, ça pendant mes réunions là. C'est vraiment un jeu pour raconter la merde, un peu comme Baguera. Ouais, c'est ça. Vous allez trop vite. Comment ça se fait que vous avez plus vite que moi? Je sais pas, moi je double tous les camions que je croise. Et je... Si je prends de l'élan dans les descentes là. Je prends de l'élan. Oh merde, il y a un feu en interne là. Oh là là, c'est quoi cette chose? Ouais, je suis passé comme une barge. Il y avait des travaux de fou là. Il y avait un trou et tout dans la chaussée. Vous avez regardé la vidéo que Clémence a envoyée sur l'interview de Philippe Catherine ou pas? Non, pas encore. Non. Parce que vraiment le moment. Mais qu'est-ce que. Attends, j'ai un énorme problème. Vous savez qu'il collectionne des caca, hein, Philippe Catherine. C'est vrai? Oui. Il collectionne des caca. Ah, je savais pas. Il collectionne ses caca et dans des bocaux. Qu'il met dans des bocaux. Ah ouais? Oui, vous savez, je sais pas. Mais pourquoi? Bah, c'est sa passion. Donc, non, je savais pas. Voilà. Attendez, j'ai un énorme problème. Je pense que mon clavier il bug. Je vois pas comment c'est possible autrement. Mais j'ai un énorme problème aussi avec mon volant. Il fait bam 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 bam. Mais moi, il m'emmène dans le paysage là. Ça va être super dur, moi, à conduire comme ça. Attends, c'est la sensibilité qu'il faut que je change. Putain! Ça va? Ça va être vraiment ex quand tu paniques. Je vais essayer de faire la livraison avec un volant qui tourne comme ça, c'est pas possible. Ça va être drôle. Mais ça glisse! Non, mais le sol il glisse, c'est pas possible, il y a du verglas ou je sais pas quoi. Ah, y'a moyen. C'est un peu bizarre, non? Oh là là. Parce que j'ai potentiellement le même problème. Ah, toi aussi ton cul de camion il dévie de ouf! En fait, moi j'ai fait deux virages de gauche-droite et c'est vrai que j'ai glissé. Bah oui, non, mais y'a un problème de sol là. De revêtement, ouais. Ah oui. On peut pas voir. Ah si, on peut voir la température. Mais ça me rassure, en vrai, je croyais que j'avais un. Non, parce que moi j'ai failli tomber aussi. Il fait 16 degrés, hein, donc vos verglas. Ah ouais Et toi, t'as pas de verglas, mais il fait. Ah non, mais j'ai 16 degrés aussi, mais le sol glisse de ouf. Tu mais verras, moi j'ai mon camion t'arrive. Après, peut-être ça aussi. Ouais. Peut-être que votre camion est dégueulasse. Non. C'est possible. Non, c'est un camion qui est fourni. Alors que moi, c'est un camion que j'ai acheté. Ouais, mais là j'ai jamais eu ça. Genre, le camion il fait gauche, droite. Ouais. Et plus maintenant? Attends, fais un? Non, maintenant ça va mieux. Là, je peux faire des gauche-droite sans problème. Ah, peut-être de l'huile sur la route? Ça se trouve, ouais. Ah ouais. Bah, ça serait plus explicite, non? Ah ouais, je fais des sacrés dérapages. Je fais des sacrés dérapages. Ah, je vais essayer d'accélérer. Par contre, moi, un peu pour j'ai trop de sensibilité sur mon volant. Du coup, c'était horrible à passer ce passage-là. Bah je sais pas, il se passe un truc vraiment bizarre, comme si mon camion il pouvait se retourner d'un moment comment à l'autre. Comment on change la sensibilité déjà, Tanguy? Dans les réglages. Et vous pouvez m'attendre un peu? Oui. Ouais, attends, vas-y, on s'arrête. Réglages, ouais. Vas-y, on s'arrête. Ouais. Tiens là, regarde Alex sur le bas-côté là. Alors, dans tes options... Non, c'est de la jouabilité, j'imagine. Mais, quoi? Contrôleur manquant, oui, bah c'est pas grave ça. Utiliser le clavier, voilà. C'est bon. Ah, oh, moi aussi j'aime bien utiliser le clavier. En fait, il y avait le contrôleur, mais je pensais que c'était le contrôleur qui buguait, mais c'est au-delà de ça. C'est... donc, jouabilité. Ouais. Je suis en train de regarder où c'est parce que je sais que moi j'ai changé, donc tout ce qui est à 100%, je peux pas changer le fond. Le thème du bureau, il est 10 fois mieux. Waouh, le thème du bureau, on peut être dehors et tout sur une autoroute. C'est trop bien. Ah non, c'est dans le contrôleur du coup. Ah, ouais, contrôleur. Option, contrôleur, et là t'as un truc sensibilité de la direction, moi je suis à 0,7 pour info. Ah ok, je vais garder ça aussi. Sensibilité de la direction, moi j'étais à 0,40. Hein? Toi t'es à 0,7? Ouais, je suis à manette, je sais pas si ça change. À mon avis, ouais. Alors, attends. Après si 0,4 c'est trop, mais moi... Hein. Attends, bah, je vais essayer 0,7 pour voir, mais... on va voir. Mais voilà, du coup c'est là, et si tu veux changer... Allez, j'essaie d'avancer pour voir. Voilà, c'est mieux. À mon avis, c'est parce qu'il y avait, il y avait le contrôleur avec. C'est quoi le contrôleur? C'est celui qui te demande ton ticket, tu sais.
Non, c'est. Moi, je cours, je connais pas. C'est... Quoi? Le, co- le control. Moi, c'est Pécresse qui l'a dit. J'arrive, j'arrive, les amis. Je suis avec Tanguy. Ouais. Comment... Je trouve ça. Alors, je sais. Oui. Je sais pas comment pour l'instant optimiser Obsidian là, mais c'est sympa. Ah, ok. Mais c'est sympa, mais pas la même utilité que Notion. Du coup, okay. Je peux pas te dire genre, oh, Notion c'est mieux, oh, Obsidian c'est mieux. Je pense que c'est pas la même utilisation. Ok, là. Mais moi je pense que Obsidian, comme il le décrivait, c'est un truc que je pourrais vraiment utiliser. Ouais, voilà, c'est quand tu veux travailler sur un projet ou des projets, genre tu les classes machin. C'est super. Ok. Du coup, j'aimerais bien arriver à les... Tu vois, j'aimerais bien un truc qui fasse comme Obsidian dans Notion pour rajouter... Ouais. Ça se trouve, tu peux faire un pont. Hein. Y a moyen, faudrait que je regarde. Attendez, qui c'est qui... J'ai pas vu qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, attendez, oulala. Ah oui. C'est qui s'est follow? J'ai pas vu, ça fait une alerte. Sorry Skymoon Airline. Merci Sorry Skymoon Airline pour salut. Le follow. Désolé. Yo. Bienvenue. Oulani. Avec plein de Todd qui crie. Je panique. Bienvenue. Merci. Oh, Alex, il est reparti là, à 1000 km. Il est reparti encore. Ah putain, Fab, j'ai failli écrire plein de Z dans ton chat parce que j'utilisais le mauvais clavier. Ouais. Tu dors, Camille? Je me fais chier. Ouais, je me fais chier sur ton stream. Ah, bah oui, mais ça... en même temps, c'est un stream de camion, Camille. En même temps, hein. Bah, la route, ça berce. Hein. Tu vas me rentrer dedans là, non? Non. Je vais pas, okay. Je vais pas du tout me venger. Ok, ok, pas de soucis, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète. Elle recommence. On dit Line ou Liney? Ah, salut. Pardon, ouais, comment on dit Liney, ouais. Skymoon Airliney. Oh, ça glisse encore. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ça glisse encore de ouf. Oui, oui, oui. Oui, oui, vas-y. Oui, ah, oui, 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 d'accord. Toi aussi? Ouais. Effectivement. Ah. Ah, donc il y a un problème. Et moi, tout à l'heure, quand j'avais énormément aussi... J'avais la sensibilité au maximum, c'était compliqué. Ouais, ouais, ouais. Salut, Alex. Mais je comprends ce que tu voulais dire. Moi, je suis la pêche. Oh, mais c'est un enfer. Va falloir tourner en main, par contre, les gars, à deux, ça va pas passer. Hein. Session convoi, ouais, on est en session convoi, à quatre entre amis. On se raconte nos... Entre poteaux ou quoi? Tu joues aussi à Euro Truck Simulator? Oulala. Oh, putain. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais... Ah. Bah, c'est... Non, ça c'est un arbre. C'est un... Non mais, il y a eu un de ces dérapages. Oh. Alors... C'est... Faut aller dans un péage normal, pas un péage forestier. Ouais, mais j'ai confondu la barrière, écoutez. Voilà. Mais ouais, en gros, on joue relax et tout, on se rentre dedans, on s'amuse et tout. On se rend dedans, les backrooms. Cool. Les backrooms. Bon, non, c'est pas ça, Alex. Ah non, les backrooms. Non, mais non, moi je rigole parce qu'Alex il a écrit Z dans le chat. Vraiment, je trouve ça vraiment très drôle. Ah, allez là, le faire. Ah, t'imagines te tromper comme ça? Et faire. J'ai tout mis en ultra et ça va, il est pas dégueu le jeu. Ah, comme ça marche pas. Ouais. Et je suis en 2K en plus là. Ouais, non mais les mims. Les on mims, fait, le jeu quoi. On fait de l'escorte, on bloque le pass... la route pour qu'il puisse rentrer. Allez. Je fais opération escargot là. Ouais, pas besoin, hein, je mets de la route. Ah bon, ça va. Tu vas escargoter personne. Si, il y a une voiture là, je l'ai escargotée là. J'ai bien escargoté, t'inquiète. Escarmouché? Oh non, je me suis coincé. Oh là là. Je suis tombé. Tu es tombé pour elle. Oh bah maintenant c'est moi qui suis devant. Je suis tombé pour elle. Tu. Moi je vous attends. Ouais. Tu. J'arrive. Qu'est-ce que tu chantes? Of two sides and a two. Une chanson de. Mika. Philippe Catherine, je pense. Oui, pour revenir à Philippe Catherine, mais
Oh, merci! Oh là là. Merci pour le sub, Sky Moon! Merci beaucoup pour ton premier mois. Ton premier mois? Waouh! Oulala, Camille! Mois. Camille qui arrive à toute vitesse. C'est quoi? Pourquoi il y a un bus? Ah ouais? Alors, c'est pas moi. C'est même pas nous. Je vous promets, c'est pas moi pour une fois. C'est pour une fois que c'est pas on nous. On arrive à Selonget, selonget.com. Pour trouver des appartements. Des appartements. Selonget.com. Qu'est-ce qu'on rigole? Putain, c'est fou. Pourquoi tu passes par là? Bon, je sais pas, j'avais envie. Des fois, en fait, ça révèle des routes que t'as pas aussi. Bah, ce qui est con, parce que la route que j'ai prise, j'avais déjà prise, alors que la route en bas, je l'ai pas prise. Ah, c'est un peu con, ouais. Comme quoi, tu refais la même chose. Let's go! Bah, merci beaucoup. Hein. Adorable. C'est super. Super. Alors, ici, on joue à ça, on joue aussi à Lethal Company entre amis. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Bah t'avais un petit projet de test de... Ah je oui, sais pas si vous... oui, oui, alors j'en ai pas encore parlé en live, mais oui, oui, potentiellement... Oh là, tu laisses des mines un peu sur le terrain. Mais en gros... C'est moi? Non, j'ai rien touché. Ouais, c'est moi. Je peux en parler. Ah. J'ai plein de jeux sur Epic que j'ai téléchargé, enfin que j'ai acquis gratuitement, où j'ai jamais joué de ma vie, et je pense qu'il faudrait que je fasse... Un jour où j'ai vraiment le temps, enfin une semaine où j'ai vraiment le temps de prendre les vacances. Arrêtez-vous. À tester c'est bon, tous je ces pas, jeux. Pas. Une bonne petite team entre amis, exactement. Oulala. Non, mais ça va. Elle recule, pourquoi elle recule? Mais qu'est-ce que c'est? Oh merde, j'ai fait le chaos. J'ai créé le chaos. Elle a reculé. Ouais, une bonne petite T'es team. T'es pas oh oh oh. Ouais. C'est vrai qu'on est une bonne team avec des jeux bien variés. Ouais, c'est vrai. Tous les idéaux. J'aime bien Alex quand il chante super bien d'habitude. Hein. Mais quand il est fatigué, par contre, c'est très drôle. D'habitude. Je cherche une âme qui. Désenchantée. Bah, c'est le cas de dire, du coup. Hein. Oh non, dysfonctionnement du véhicule de merde. Ah ouais, c'est. J'ai remarqué ça. Moi, non, c'est ça. Ouais. Ils m'ont dit votre véhicule c'est de la merde. Est-ce qu'il y a moyen qu'il nous rejoigne, il nous dit. Bah en vrai c'est... C'est un peu délicat. Tu l'as pas? Ouais, on est un peu en privé, en plus entre amis je crois que je l'avais mis. Et puis, ouais, oui. Et puis moi après là... Je pense que c'est... En plus je pense que c'est notre dernier... Ouais je crois que c'est un peu... C'est vraiment notre dernier. Là on a fait 2 heures de trajet depuis le début. C'est vrai. Oui c'est oui. Sur 7. Oui. Moi je devais genre arrêter l'ordi il y a 8 minutes à peu près. Tu devais arrêter l'ordi il y a 8 minutes? Ouais, 8 minutes. Tu fais quoi dans la vie sinon, Sky Moon Airline? Tu croyais que tu me demandais à moi? Ouais Camille, tu fais quoi dans la vie Camille? C'est trop bizarre ta question. Alors, je vois il pleut hein, d'ailleurs. Hein, ouais, je sais pas si... Moi aussi il pleut, ouais. Bah moi il fait grand mais beau soleil. Mais c'est fou Camille, t'as pas le grand même... Grand beau soleil. Grand beau soleil, Patrick ouais. Grand beau soleil. Ouais. Un si grand beau soleil. Un si grand beau. Bah ouais. Bah ouais. Demain les amis, il fera grand beau soleil sur toute la mer. Bah ouais, moi je trouve c'est une. La tramontane. C'est vraiment le mot que t'entends que à la météo, hein. Tramontane. Oh putain, je regardais pas la route, ouais, je regardais ton chat. Ça glisse. Ah oui. Oh putain. Ça glisse. C'est souhait. Mais Alex, non. Aïe. Aïe! Bah, il me recule dans la gueule, il fait aïe! Non! Et alors, je suis responsable dans une entreprise de cadres photo. Oh! Des cadres photo classiques ou des cadres photo numériques? Ah ouais, c'est une bonne question ça! Bah ouais. Oui, je pensais. Bah moi, j'avais pas pensé, je suis nul en question. Alors, moi, je suis infographiste 3D motion designer dans le jeu vidéo. Je travaille pour des grandes boîtes de l'industrie dans une agence. Vous avez certainement déjà vu des trailers que j'ai fait. C'est cool. Ouh. Ça c'est la classe. Voilà. Et sinon, bah Camille, vas-y. Et le Tanguy. Moi j'aime bien comment se passe. J'aime bien le principe de se passer le micro, ouais, c'est marrant. Ouais. Moi je suis développeuse web. Bah je passe le micro à Tanguy. Alors t'es développeuse web, après tu développes pas plus du coup. Bah c'est pas trop quel point okay. Je fais du React voilà. Et du Baldur's Gate. Dans une Gate. Entreprise. Non, et du Baldur's Gate.
Ah, du react, putain! Bah oui, oui, pardon, je voulais pas dire du react genre au cauchemar en cuisine, je voulais dire que c'est la techno que j'utilise pour faire du dev. Moi, je réagis à des émissions sur la télé. Dans la vie, ouais, je regarde cauchemar en ça cuisine. Ça permet de développer une audience web. Que j'ai mal. Ouais. Je réagis à des codes. Des trucs, je réagis. Alors là, il est bien fait, là, non. Et du coup, Tanguy. Oh! Voilà, ouais. Il a résumé son métier. Je fais du vin. Tu fais du vin? Je fais du vin? Ouais. Mais je savais même pas. Du Donatien vent. De Montazac. Du vent? Du vent. Ah, non, du vent. Tanguy. Ce n'est pas vrai. Du vent, mais un peu conditionné. Je fais de l'amélioration énergétique. Voilà. Voilà. Et tu passes le micro à. Matcha. À miaou. Alex. Miaou, miaou, miaou. 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 Ça c'est plutôt Ziggy là du coup avec son, ouais. Son petit pull là. Il était son déguisement de Père Noël. Mais là. C'est quoi ça? Oui. Il y a un pull. Je me disais faut vraiment être con pour mettre des fringues à son chat. Désolé, hein, no offense aux des gens qui mettent des fringues à leur chat, mais il faut pas faire ça. Il a une opération. Par contre pour l'opération je comprends c'est beaucoup mieux qu'une collerette. Ouais. Et du coup pardon mais Alex on t'a. Non, mais c'est pas grave. Hein. Bah vas-y, c'est ton tour, hein. C'est mon tour. Ouais. Je suis animateur en centre de loisirs, slash périscolaire, slash colonie de vacances. Et ça, c'est stylé. Slash le groupe de rock aussi. Le groupe de rock. Bah... C'est pas un groupe, c'est un guitariste. Slash Alex, c'est un groupe de. Ah slash c'est Alex, c'est un groupe de rock à tout seul. Oui, ok. Ah, non, du tout. Mais non. Mais c'était Slash, j'avais pas compris la blague, à la, blague. À la base. Ouais, même moi. Et du coup, là, il y a Sori qui dit. Qui fait des cadres classiques pour particuliers ou des hôtels luxueux. Par exemple, aujourd'hui, okay. Il a fait un cadre photo de Alexandra Lamy pour un hôtel parisien. Ah, d'accord, ok. Donc c'est quoi, c'est vous qui prenez les photos ou c'est, enfin je te ouais. Vois pas, je veux dire ton entreprise, c'est genre tu prends les photos ou tu... Ah tu mets Alexandra Lamy dedans. Tu mets Alexandra Lamy dans un cadre. Dans un cadre, c'est pas du tout une photo. Genre dans une grosse boîte en verre avec un cadre. Ce serait flippant, t'entres dans ta chambre d'hôtel, t'as un cadre avec Alexandra Lamy dedans. Qui tape à la vitre. Aidez-moi. Et là, c'est le début d'un film. Après, ça fait ta da 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 ta 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 da 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 da. Bah, moi. Il y a tout ce qu'on passe à un truc. Et de l'autre côté, il y a Jean Dujardin. Oui. On dirait. J'ai quand même une petite préférence pour Jean Dujardin. Ouais, en vrai, ouais, moi aussi. Personnellement. Je l'ai pas aimé dans LOL. J'essaye, hein, franchement, j'ai essayé. Bah, tu sais quoi, par rapport à sa sœur, je la préfère 10 fois sa sœur. Attends, t'as dit préfère... tu préfères Alexandra non, à sa non, sœur. Non, je préfère Audrey Lamy à sa sœur. Bah moi c'est fou parce que vraiment j'aime pas Audrey Lamy non plus, c'est horrible. Mais je sais non, pas si pour. Tu, en si fait, tu j'ai... dois comparer les deux. J'arrive pas à savoir. En fait, Alexandra Lamy elle me cringe comme jamais. Un petit peu ouais. Je suis d'accord. Et mais Audrey Lamy c'est pas mon délire. C'est pas mon humour, elle me touche pas. Okay. Elle me touche pas. Oula. Alors que Jean Dujardin, par exemple. Alex, t'es où? Non, en gros, c'est une grosse plaque en verre avec une photo d'une personnalité derrière. Ouais, ok, d'accord. Ok, ok. Et du coup, il y a des hôtels où ils mettent genre des acteurs dedans, du coup. Peut-être si c'est des hôtels qui sont passés. Des... Ah, non, oui. J'allais dire des hôtels qui sont passés dans les acteurs. C'est des acteurs, ouais, des acteurs qui sont passés dans les hôtels et du coup, c'est pour dire, bah voilà, est passée telle personne. Parce qu'une fois, je suis allé dans un restaurant luxueux et en fait, quand tu descendais aux toilettes. Donc il y avait un long couloir avec plein de photos de célébrités qui sont passées. C'était très drôle, c'était marrant. Oh, c'est stylé en vrai. Je suis allé faire pipi au même endroit que telle personne, c'est très drôle. Christian Clavier là. Oui, il y avait Christian Clavier qui est passé. Il me semble que tu m'avais dit. Ouais. Mais en plus il me semble que ce restaurant, je suis allée une fois avec mes parents. Ah ouais. Parce qu'il y a une photo que vous aviez envoyée qui me parlait vraiment de ouf. Léon de Lyon. Ouais, c'est possible. Hein. Sont prises par les professionnels, on nous envoie les photos, on les imprime. Ah oui, mais c'est des photos qui sont. Ouais, c'est un resto. Qui sont prises spécifiquement pour vous. Oui, bah de toute façon, ça serait vraiment pas légal de récupérer une photo random et de la mettre dans un cadre et de la vendre à un hôtel, j'imagine. Donc c'est des photos qui sont prises pour vous.
Non mais Léon de Lyon, c'est une chaîne de resto. Non, en fait, tu confonds avec Léon de Bruxelles, Ah et qui oui. est devenu Léon tout court. Mais en fait, avant, il y avait Léon. Enfin, il y a D'accord, oui. toujours Léon de Lyon qui est un resto luxueux. En fait, c'est là où le père de Bocuse a commencé la cuisine. Ouais. Donc, c'est pour dire à quel moment. C'est comment il est C'est un vieux. bon resto. Ouais, non, mais il est vieux en tout cas, ce resto. Non, je sais pas où faut que j'aille parce qu'il y a le dysfonctionnement du véhicule qui s'affiche. Non, c'est bon. Tout Fonctionnement. droit. Ça fonctionne, non? Merci. D'accord, et du coup, en fait, c'est des trucs sur mesure sympa. Ouais, c'est super cool, hein. Et du coup, curieusement, ça coûte combien un cadre? En vrai, si on a envie d'avoir un cadre luxueux. On va te Genre, faire tu commandes un cadre de Jean Dujardin, par Non, exemple. admettons par exemple, tu vois, j'aimerais avoir un cadre un beau cadre Ah, d'une photo prise par. autour de ma télé, autour de ma télé. Ah, Tu oh, veux ah encadrer ta ouais, télé? ok. Admettons, une télé classique, une taille Ah, normale. mais ça dépend de la taille, ça dépend de la Oui. matière. Non, mais une télé, voilà, de salon, pas une énorme télé, Alors, tu vois, mais. chiffré, ça va mon être. rêve d'avoir une télé très fine accrochée au mur, très grande, et genre avec un cadre Ah comme un oui. cadre de tableau, et genre t'affiches Un tableau dedans. un Ouais. portrait, pas un portrait, mais un tableau, un paysage, un truc comme ça. Je trouve ça trop beau. Ouais, j'avoue. Le petit cable management là. Mais en vrai, Ouais, quand je serai c'est de la riche. menuiserie, je suppose qu'ils sont en bois ces cadres. Enfin, je sais pas, après. Je sais pas du tout. Oh là, il y a un accident là, qu'est-ce qui se Peut-être qu'il y passe? a du bois, il y a de l'alu et tout comme ça. Hein. C'est pas un truc différent. Ouh là là. Mmh. Dysfonctionnement du véhicule, ouais, d'accord. Toi aussi. Alors, on se demande pourquoi, hein. Bah, c'est bizarre, franchement. Ils sont mal foutus ces camions, je trouve, hein. Ouais. Il J'avoue. glisse et tout. Ouais. Par contre, la glissade, ça a commencé avant tout le bordel, hein. Oui, ça c'est vrai. Et là d'ailleurs, Moi, mon ça glisse camion, encore, il là. avait genre 1 ou 2% de dégâts. Oh, on peut prendre l'autoroute à contresens ici. Alors, tu peux être partout, après, s'il y a un péage, c'est bloqué, Ouais. mais. Bah, si vous voulez. Si vous voulez, on a fait donc Alexandra, Florent Pagny, Michel Sardou, Hugo Lloris, Mylène Farmer et j'en passe. Waouh, d'accord. Ah ouais, Quand j'en Jean. passe, j'adore. Ouais, Jean. Oh C'est Jean-Pascal de la putain. Starac, du coup. Alors lui. C'est l'agitateur, c'est ça? Ouais, c'est l'agitateur. Ouais. My name is Jean-Pascal. Again, Putain, Michel Sardou, le goat, Dalinda, là. Paris Michel Latino. Sardou. Ouais, Michel Sardou, ouais, aussi. Putain. T'es brûlé. Brûlé. Moi, c'est plutôt je l'ai. Je l'ai, C'est ça, je hein? l'ai. C'est lui, hein? Ouais. Oh là Ah là. oui, je déteste notre époque, je l'ai. Ah là là, notre époque, notre jeunesse, je la déteste. Mais Mylène Farmer, c'est pas Ouais. mal aussi. Allez, Mylène Farmer, une petite imitation de Mylène Ouais. Farmer, on y va? Désenchanté. Désenchanté! Bah Je écoute, Camille, revenons au jeu, hein, suis ouais. Libertine. En fait, c'est la seule chanson de Mylène Farmer que je connais, et encore, c'est les seules À paroles gauche, que Alex, je à connais. gauche, à gauche. Et Florent Panini. Florent Pagny, c'est quoi? C'est ma liberté de penser ou c'est l'autre? Putain, je sais jamais. Si, c'est ma liberté de penser, Ouais. hein, Florent Panini. C'est lui? C'est Ah! celui qui a souffert d'un cancer. Ah oui, mais parce que comme je confonds avec Pascal Obispo, je sais Moi, jamais si c'est Pascal Obispo et plutôt, Florent ou Florent je Pagny. confonds avec Patrick Fiori, moi, Florent Panini. Je sais pas pourquoi. Ah Parce ouais, que c'est alors que le P et Patrick le Fiori, F qui a moi je le inversé. confonds avec. Tu vois? Oui, je comprends. Alors que physiquement, Patrick Fiori il ressemble un peu à Patrick Bruel. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait dans Les Enfoirés cette année. Ah, je savais En pas. fait, dans Les Enfoirés, ils ont fait un C'est vrai? sketch là-dessus. Il disait, ouais, des fois, tu sais que je. En fait, quand il en a marre, Patrick Bruel, il m'envoie moi dans ses concerts et tout comme ça. Ok, pour une fois que je vois pas, pour une fois que c'est pas une ressemblance de Non, merde que je vois. mais du coup, c'était drôle. Je le déteste pas, Patrick Fiori, je trouve pas Ah non, Patrick désagréable. Fiori, non, moi j'aime bien. J'aime bien. Puis Ouais, il a ouais. ses voix et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Les rois du J'écoute pas forcément, monde. mais je trouve. Oula! Ouais, Oh, ah, mais c'est lui Cam! qui Pourquoi tu me fais chantait. ça? Qu'est-ce que tu fais, Cam? C'est pas lui, J'ai ça! failli... J'ai glissé. Non, il me semblait Non, je bien sais que c'était pas. pas Non, lui. pardon, c'est Esmeralda. Belle. Ah C'est oui, un c'est un mot. nom qu'on dirait inventé Laisse-moi pour passer! elle. Elle. Quand elle est Ah! seule. Oh là, c'est Mad Max! Le pauvre.
Aidez-moi, je suis monté sur mon camion là. Oh non. Je monte sur le camion, moi. Oh non. Eh, hey, c'est pas moi, tu me poussais. Non, non. On va y arriver, Alex, non, on va y arriver. On verra. Voilà. On mettra le replay. Hein. Quand il y a des bouchons, on sort. Non, mais là, de toute façon, il n'y aura pas de bouchons, je suis sorti de ton route. Ah. Prends une photo, prends une photo. Pour ton cas, tu disais tout à l'heure, c'est entre 1500 et 2300. Ouf. Ah ouais. 4 télés en même temps. Ah ouais. Oui, non, mais c'est un gros cadre, hein, ouais. Et c'est en bois et tout. Ça dépend de la matière et tout. Ah d'accord. Bah oui. Ouais, après, si tu veux un beau cadre et tout, effectivement. Ah, j'ai tout pré-shot. Hein. Super sympa. Bah ouais. Après, c'est pareil pour tout. Mais en fait, finalement, dans ce cas-là, en fait, tu voles pas le tableau, tu voles le cadre, je me disais. Ah, bah après, si tu... Oui, tu veux dire dans un hôtel, parce que j'allais dire après, les cadres, par exemple. Non, mais je parlais globalement, tu vois. Si en fait, ça se trouve... Tu penses à voler tout de suite. Non, mais je sais pas, je me disais, en termes de valeur, tu sais, ça se trouve, des fois, le cadre, il vaut plus cher que le tableau. C'est... Ouais, ça dépend quel tableau. Si c'est tableau peint par l'oncle de Jean-Claude de la compta, oui. Oh là là, j'ai envie de te faire high five, mais tu n'es pas là. C'est par une chanson. J'ai envie de te faire high five, mais tu n'es pas là. Ah oui. Attends, Fab, tu permets que je partage le lien de ton Discord? Vas-y, vas-y, bien sûr. Vas-y, vas-y. Parce que... Il marche plus. Ouais, mais moi j'ai eu le même problème, c'est pour ça que j'ai repéré en fait. C'est super, merci. Attends. Je t'envoie. Ah merde, il marche plus. Ma commande Discord, elle marche plus. Bon, faudrait que je regarde. Non, mais j'ai eu le même problème, du coup, je suis retournée sur Mobat genre ce matin, quoi, je l'ai remis en place. Ouais, ok. Bah écoute, désolé. Sorry, j'ai envie de dire. Ouais, c'est bon, Sorry, je l'ai mis. Et donc, Alec, il tend des pièges. Même pas, c'est les gens qui vont pas assez vite. Non, il n'y a pas plus de prix du cadre par rapport à la photo, ouais. Ouais, je pense que, honnêtement, là, du coup, tu dis rien, mais moi, je vais le dire. Hein. À mon avis, la photo coûte moins cher que le cadre, du coup, en l'occurrence, là. Bah oui, oui, c'est quasiment sûr. Là, voilà. Après, la commande de la photo, en vrai... Ouais, non, ça coûte pas si cher que ça. Pour un shooting photo d'une... Non, mais ça se trouve que c'est... Ah, un shooting photo d'Alexandre Lamy, en vrai. Ouais. Tu penses que c'est des photos, genre, récupérées? Il y a des photos stock aussi, hein. Tu sais que tu peux... Mais des photos stock d'Alexandre Lamy? Bah oui, oui, tu vas sur Webstock, tu peux en trouver. Ok, ok. Enfin, oui, c'était Alexandra, oui, c'est ça. Alexandrie. Ouais. Oh là là, mais je conduis très très mal aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, c'est genre toujours n'importe quoi. Mais non, mais parce que j'ai 4 viewers là, alors du coup, faut qu'ils y croient un peu. Ça te perturbe. Ah, pardon, oui. Hein, c'est bizarre, d'habitude je conduis super bien. Bah, d'habitude, t'es genre. Comment il s'appelle, Charles Leclerc là. Charles Leclerc? Ah oui. Elle a la ref. Leclerc, je suis un peu fier. et pas attends. Un Charles Leclerc dans la Seconde Guerre mondiale, du coup. Ah non. Ça n'a rien à voir. Non. D'accord. Par contre, du coup, Tanguy, est-ce que t'as la ref de cette vidéo de... Je suis pourquoi je suis au Luxembourg? Oui, 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 oui. Oui. La oui, meuf qui fait Leclerc. Alors, c'est pas une meuf. C'est un mec. Je crois que c'est un gamin. Oh putain. Attends, tu l'as pas vu, Fab et non, Alex, vous l'avez pas vu? Putain, c'est tellement drôle. Donc c'est un gamin apparemment. Qui hurle au passage de Charles Leclerc, qui hurle Leclerc, Leclerc, qui s'étouffe en criant son nom, mais c'est à pleurer, mais c'est une voix de sorcière. Ah ouais. C'est super drôle. Je vous la retrouverai parce que vraiment elle me fait chialer. Bah, faut que je t'envoie la. Alors, mais moi en fait, je suis même pas sûr d'avoir vu l'original. Ah ouais. Il y a tellement de vidéos qui ont été détournées, trucs comme ça, que je suis même pas sûr. J'en ai une en tête, mais je suis même pas sûr que ça va être vraiment l'original. Ah, bah moi j'en ai vu une détournée aussi, mais j'ai vu l'original par contre, où il passe et vraiment il y a quelqu'un qui hurle. Enfin, on voit pas la personne, on voit juste Charles Leclerc. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment l'original ou pas. Il vous reste combien de temps de route là? Oh bah je pense que ça l'est. 47. Ah putain, 36. Vous pouvez attendre un petit peu, il me reste 2 heures. Ouais, bien sûr. Oula. Ah. Vas-y, je me mets, t'inquiète. Ah, oui, ouais. Je suis au Luxembourg là actuellement, apparemment. Ah. Si. Comme ça, je pourrais vous envoyer la vidéo. Ouais, mettez le clip. Ouais, j'arrive pendant qu'on attend. Je vais juste genre me laver le visage comme ça. Je serai prête à dormir.
Je sais même pas comment Cam t'arrives à conduire en même temps que tu partages des liens sur le. Je sais pas comment on l'a fait. Hop Mais là, bon, c'est attention pas parce qu'elle est Alex, partie en ça fait. s'arrête. Je conduis seul. Sans témoin, sans personne, je conduis seul. Alex, il s'est endormi, non? Non, Il est non, mort? ça va, tout va bien. Ok. En Je te laisse de la essuyant les place. heures. Putain, c'est fou, j'ai chopé une aft. Un aft. Un aft, pardon. Vous pensez que les fraises, ça donne des afts? Parce que ma copine, elle a chopé une aft aussi après avoir mangé des. Donc c'est bizarre. Ben, je sais pas, j'en ai mangé aussi aujourd'hui, tout va bien. Ok. Je parle de tout et de rien. Ouais. Vous êtes sûr que Fabien il va pouvoir passer? Ah, vous avez fait vraiment un mur? J'ai un peu peur qu'il y ait genre 600 km de bouchons. Ah bah ça va être drôle, on va voir. Oui. En fait, des fois, on a des particuliers assez riches, on va dire, qui commandent un cadre photo avec toute la famille dedans. Attends, et quand c'est comme ça, c'est nous qui livrons le cadre et qui le posons. Ouais, Ah ouais. ouais. Parce que c'était quoi tu. Enfin tu. Ah tu posais la question, Non, tu non, lances la lampe, c'était juste par rapport au prix de la. En fait, le cadre qui encadre. En fait, il vaut plus cher que ce que, en général, il encadre, du coup. Ah, bah bien sûr, après si c'est un photoshoot de la famille, effectivement, le cadre coûte beaucoup plus cher que. Le cadre coûte plus cher que la photo. Je me disais, est-ce que c'est possible, parce que tu sais, ça peut être pour des escape rooms, des trucs comme ça, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs cachés dans les cadres photos, tu sais, ça pourrait être genre, tu peux cacher des Ah, clés genre ou des documents, tu vois, s'il est ou un très très bouton qui spend, ouvre. ou un bouton qui ouvre un truc, un coffre-fort, tu vois. Ah, Ouais. des cadres qui cachent un coffre-fort, tu vois. T'en as déjà fait des trucs comme ça? Après, est-ce que c'est pas juste un cadre sur charnière et le coffre-fort il est juste caché dans le mur, tu Oui, vois? je sais, mais bon, après, si c'est eux qui les posent, ils doivent le savoir. Ah oui, pose. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, la question. Peut-être qu'il a pas le droit de dire. Top... Ouais, Ah ouais, c'est voilà. top secret, ouais, donc ok. Bon bah du coup la Bon réponse bah est la réponse oui. est oui, ok, donc très bien, Pas merci. tellement. Mais bien sûr, ça se comprend que t'es pas le droit de le dire, Ouais. évidemment. Vous savez Oula, que j'ai... Fab, t'as eu pris un dos d'âne Oui, c'était un passage à niveau. J'ai fait une escape room récemment. Et en fait, là? Ouais. c'était dans... la thématique c'était un casino. Et à la toute fin, fallait en fait ouvrir un coffre-fort. Et Ouais. dans ce... Donc il y avait une énorme porte de coffre-fort qui était super bien faite, hein. Et à Ok. l'intérieur de ce coffre-fort, il y avait un autre coffre-fort, mais un très vieux coffre-fort. Ah ouais. La porte était ouverte. Et en fait, on a demandé à la sortie si c'était normal, tout ça. Et en fait, la game master, Master. elle nous a expliqué qu'en gros, c'était une ancienne banque, les locaux, Ouais. et que c'était le coffre qui était d'origine là. Et qu'en gros, ils Ah. pouvaient pas le bouger parce qu'en fait, il était coulé dans le béton, tout ça. Ah Et oui. du coup, ils ont construit toute la salle autour de ce coffre-là. Donc, c'est trop drôle, en fait, en vrai, je trouve, Ah oui, j'avoue. comme Par concept. Allez, on contre, faut peut y qu'on aller. redémarre parce que je viens de Oui. voir parce que Fabien, il est pas au Ah même endroit oui! que nous, en Il me fait. reste Il pas arrive 3 par l'autre minutes. côté, en Ça y est. fait. Je vous ai doublé! Bah Je vous ouais. ai En plus, contourné, surtout. on crée un bouchon de malade pour toi. Bah non, il passe par l'autre côté. C'est dommage. Là, il Ouais. va arriver en face par rapport à nous. Donc, le Ouais. bouchon, il va pas le voir. Bah, Oh. c'est ça. Il va pas le voir. Moi, j'étais en train de faire ma petite skincare là. Moi, je faisais mon Mais si Duolingo. tu veux vraiment savoir, le prix du cadre, c'est entre 3 000 et 5 000 euros. Ah ouais. Donc Ah c'est du ouais. joli bois, des belles finitions et tout. En vrai, ça doit être stylé, hein. Mais Ah bah il grave. y a un site internet et tout qu'on voit un petit peu où la qualité du truc, des photos, moi je suis curieux en vrai. C'est vraiment un domaine qui me dépasse. J'aime bien après découvrir des trucs, On va débarquer chez Fab, genre tu dans 2 mois, il y aura un vois. énorme cadre autour de Ouais. sa télé là qui. Regardez ma télé, comment elle est sublimée par ce cadre. N'en pensez Regardez quoi? mon cadre de télé. Mon cadre de télé. Je vous ai encadré. Vous avez encadré dans cette photo qui n'a pas de prix. Moi j'avoue que un cadre de télé, je trouve ça super stylé, mais ouais, pour une télé accrochée du coup par contre. Oui, c'est clair. Parce que pour une télé posée,
comme la mienne ou la tienne aussi, ouais, bah, la majeure partie des télés en vrai elles sont posées. T'imagines? C'est moins. Pardon, ouais, je suis désolé, je voulais. Stylé. Non, non, t'inquiète, vas-y. T'imagines ton coffre-fort, il est caché par Alexandra Lamy? J'avoue! Putain, mais non, faudrait faire genre. Une star. Genre, comment il s'appelle? Putain. George Clooney? Non, j'allais dire Gandalf, mais c'est pas ce que je voulais dire, merde. Le mec de Fort Boyard. Ah, genre, vous ne passerez pas? Ah oui, la boule ou Passe-Partout? Non, mais le Gandalf de. Le ah, Gandalf le de Fort Boyard. Le, oui, le Gandalf de Fort Boyard. Non, mais désolé, dans Baldur's Gate, il y a un vieux aussi, je l'appelle Gandalf parce que ça. Pour moi, un vieux avec une barbe, c'est Dumbledore ou Gandalf. Le Gandalf de Fort Boyard, c'est fou. Il est trop... Elle est trop bien cette phrase. Le Dumbledore de Fort Boyard. Ouais, j'avoue que moi je suis plus côté Dumbledore que Gandalf, mais bon. Allez, on va pas se faire trop. C'est la vie. Oh, mais c'est un peu chiant quand même. Putain, ça glisse sa mère. Oh, la Tesla là! Mais on est d'accord! Hein. Ah. C'est insupportable! Tesla, t'es plus là là! Oh, merde! Oh, je suis désolée, Elon! C'est mon bruit de freinage. Ça y est, j'ai fini. Tolérable! Bah, merci Camille! Hein. Tolérable! Oh, je suis désolée. Moi, ça va être de la merde! Hein. Ça va être marqué de la merde! Oh non! Oui! Je me suis trompée, j'ai choisi de me garer alors que je voulais pas. Tu peux aller chercher le lingot d'or qui est derrière Alexandre Lamy, s'il te plaît? Le code, c'est un gars et une fille. Oh. Bah, ça a pas marché? Je suis mal garée, c'est ça? Putain. Oh, ça y est, je suis bien garée. Oh, je peux finir ma petite skincare là pendant que je finis de discuter. Ouais, alors, c'était super. Tolérable également. C'était super, les gars. Et la fille. Ouais. On a bien... c'était cool. En fait, le fond d'écran d'attente, il est nul à Yesh. Il y a un éclair en pause, là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est qu'il chose. C'est vrai. Oh là là. Bon, bah les amis, c'était super cool. Ouais. C'était très agréable. Très chouette. Oh, elle demande à Alex de faire l'outro de ton stream. Vas-y, Alex, fais l'outro de mon stream, s'il te plaît. Attends, je me mets en plein écran juste pour ça. Deux secondes. Faut que je réajuste ça. Ah, mais attends, je peux faire comme ça. Attends, je peux faire ça. Non, ça marche pas. Ok, très bien. C'est nul. Ah, bonsoir. Attends, non, 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 attends, non, non, non. Mais non, 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 non. C'est pas synchronisé. Reviens, reviens. Vas-y, on revient. On y va. Vas-y, Alex. Ah, ciao, bonsoir. Faut que tu préviennes un petit peu, hein. Bon, allez. Je préviens. Ciao, bonsoir. Allez, salut. Salut quand même. Bisous. Bisous, bisous. Bisous le stream. Ah, mais ça marche plus. Mais putain, ça marche plus. Bon, mon stream deck, il marche plus. Y'a rien qui marche ce soir. Oh non. C'est trop nul. Bon, salut le stream.